Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Oui, ça a l'air bonjour. de fonctionner maintenant. Bravo, bonjour. On a eu un petit problème de connexion du micro, apparemment. Il ne voulait pas. On était endiablés pour commencer et personne n'a dû nous entendre au départ. C'est pas grave. Donc bonsoir. Donc c'est 13 bis et moi, Nibbler, qui sommes là comme chaque semaine pour animer la chronologie des femmes artistes. On en est en ce mi-février au numéro 15. 15e semaine de live. Wow, je pense qu'on peut applaudir. Bonjour, petit Cancanou, bravo, bravo, bravo pour Last of Us, bravo pour Obradine, bravo la Maïf. Ouais, donc du coup, oui, on est là pour faire de la chronologie des femmes artistes, je pense. Exactement. Je vais faire comme chaque semaine le petit débrief pour que vous sachiez où on en est. Juste, est-ce que petit Cancanou, tu peux nous dire si tu nous entends bien? Normalement, ça devrait être bon, parce que moi, je vois le retour. La musique est bonne, normalement. Et quand la musique est bonne, tout le monde est bon. Ok, alors. Bah, du coup, on va attendre un peu, mais normalement, elle est en direct, là. Tout à fait. Bon, continuons, on verra après. Alors, donc, le petit récapitulatif qui nous fait parler des biais que nous avons sur ce live pour être un petit peu voilà, et transparent et que vous compreniez un petit peu dans quoi on s'est lancé. Donc, on est donc sur une chronologie des femmes artistes. Donc, on parle bien entendu des artistes femmes qui font partie de l'histoire de l'art, donc ce qu'on appelle l'histoire de l'art au sens un peu strict, c'est-à-dire la succession des époques historiques et des mouvements picturaux, etc., qui ont circulé à travers l'histoire, à travers les époques, à travers les continents. Donc nous, on a un apprentissage de l'histoire de l'art qui vient de l'université française. Donc on a bien entendu un biais de l'éducation artistique qui est un biais eurocentré, Vu qu'on est en France. vu qu'on est en France, voire à certains endroits même franco-centré, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais voilà. Donc on a ce biais-là comme point de départ et on essaye de s'en extraire, en tout cas de faire des petits sauts des moments au fur et à mesure de notre découverte vers même d'ailleurs des pays européens qui sont très peu mis en valeur dans l'histoire de l'art, en tout cas auxquels on n'a pas eu trop accès. Au niveau des périodes, pour le moment, on a commencé en 1600 dans notre frise et on a classé donc par période de 100 ans. Et donc voilà, de 1600 jusque on a mis les années 2000. Donc sachant que 2000, on va pas jusqu'aux années 2000 dans la réalité, mais c'était en tout cas le siècle 1900. Oui, qui était important à mettre. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises, 1900, 1900-2000, 2000, ouais. oui, ça s'appelle un J'ai siècle. bugué. Oui, bah, Et c'est comme ça qu'on compte. voilà, donc en fait, les dernières artistes qu'on a placées sur notre frise vont jusqu'au, enfin, sont des personnes qui étaient actives dans les années 60, 1960, sachant que c'est un petit peu le moment où on est vraiment sur la fin des avant-gardes et le début de ce qu'on pourrait appeler vraiment l'art contemporain, chose qu'on a volontairement mis de côté, puisque c'est un domaine qui, pour nous, et moi, un domaine de découverte, puisque ben voilà, on a des connaissances qui sont plus actuelles, voire on fréquente certaines artistes. Donc voilà, c'est encore plus biaisé, on va dire, que de vous parler infiniment de toutes les artistes qu'on connaît. Donc on voyait pas trop le sens. Nous, ça nous amusait pas trop parce qu'on n'allait rien découvrir. Et puis du coup, c'était pas très fun pour vous non plus. Voilà, donc ensuite, dans les choix qu'on a faits, au niveau des pratiques qui sont sélectionnées, en tout cas qu'on met dans la frise, on parle donc des artistes qu'on a classés pratiques visuelles, donc qui sont la peinture, la sculpture, la photographie, toutes les pratiques liées à la gravure ou à l'impression. Et on a donc du coup
mis de côté, mais dans le sens vraiment mis de côté, c'est-à-dire qu'on les a notés, mais qu'on ne les a pas mises dans la frise, toutes les artistes qui sont écrivaines, musiciennes, architectes, etc., etc. Enfin, vraiment, dans un prisme plus large, sachant que quand on fait des études, quand on fait de l'histoire de l'art, on ne fait pas de l'histoire de la littérature, par exemple. Donc c'est un autre pan de l'histoire et des pratiques qui est vraiment à mettre en lumière. Donc nous, on a choisi vraiment rester sur l'histoire de l'art un peu stricte, voilà. Et la dernière chose, sur la manière dont on procède, donc notre frise, elle est classée par, bien entendu, par date. Donc, par exemple, entre 1900 et 2000, on a toutes les années, quasiment, enfin, on a beaucoup d'années, 1914, par exemple, 1925, 1926, etc. Pour choisir quelle date, enfin, quel artiste et quelle date, on choisit la première date de monstration, donc première... premier moment en tout cas de reconnaissance à un public large, au sens large on entend des moments où il y a une ouverture pour le public qui n'est pas juste soit une ouverture pour des professionnels, soit un cercle très restreint, amical, ou voilà, puisque dans les réseaux parisiens par exemple, enfin surtout puisqu'on voit beaucoup d'artistes qui passent par Paris, voilà, on s'est dit que c'était pas très représentatif si c'était un salon bourgeois, avec toute la crème de la crème de Paris à ce moment-là, donc voilà, on s'est dit c'est plutôt... Oui, c'est la date de monstration, tout simplement. Parce que les salons, on en a utilisé des salons, non ? Oui, mais ce que je disais, c'était des salons chez les gens. Enfin, ah. Donc les dates qu'on a choisies, c'est des salons publics, donc des grands accrochages où les artistes vont... soumettre des tableaux ou des sculptures à un jury qui vont sélectionner. Enfin, il y a beaucoup d'œuvres comme ça. Alors, je te coupe juste trois secondes. En fait, moi, j'ai du mal à saisir. Là, on n'a pas vérifié quels étaient les salons, si ? Si, au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait certains salons parisiens qui étaient des grands salons où plusieurs artistes se sont croisés, où elles ont eu les mêmes premières dates de monstration. Donc si, il y a des grands salons... oui. Qu'on a cité plusieurs fois dans les oui, au fur et oui, à mesure des lectures. On n'a pas, enfin pour moi, on n'a pas réussi à séparer, ou du moins on n'a pas essayé non plus de séparer avec les petits salons, ce qui s'appelait aussi des salons, non ? Je sais pas. Ok. Voilà, et donc sur vraiment la méthodologie, donc je reviens très très en arrière pour le coup, mais on a sélectionné pour démarrer cette frise. Les artistes qu'on avait en tête, dont les noms nous revenaient assez spontanément. On est allé chercher sur les pages Wikipédia, qui nous semblait être la source la plus simple à trouver, voilà, la plus enfin, comment dire, la première qui tombe, quoi, quand on cherche sur Internet. Et on lit leur biographie, leur parcours, on trouve donc leur date de monstration. Et ensuite, on a ouvert, en fait, au fur et à mesure, d'autres pages de femmes artistes qu'on trouvait au fur et à mesure des pages Wikipédia. Ce qui nous a permis de tenir, là, donc, les 15 épisodes de chronologie des femmes artistes en ne faisant que ouvrir des pages Wikipédia. Voilà, pour le petit résumé de comment on procède. Et donc, la semaine dernière, on a fait 5 artistes. On a encore 5 onglets ouverts de ceux qu'on avait du coup pas fini la semaine dernière. Donc on va commencer là-dessus. Peut-être du coup on montre un petit peu à quoi ressemble la frise et les notes qu'on a prises aussi en haut dont je vous parlais au début. Alors je l'ai montré un petit peu déjà, mais voilà. Donc là on a des femmes artistes aussi, mais qui sont d'autres domaines. Nous on reste comme a dit Annie Blur sur les pratiques visuelles, principalement, parce qu'on est sur Twitch. Là c'est les manques de ressources, donc ça c'est principalement, donc tout à l'heure je le montre, mais voilà, si vous avez des ressources, nous on est à la recherche de ces personnes-là, pour les dates de monstration principalement. Sinon voilà, 1700 à 1800, donc on en a très peu au final pour l'instant. Et d'ailleurs Elisabeth et Anne Valère n'est pas centrée, je remarque. Et de 1800 à 1900, on en a déjà pas mal. Et d'ailleurs il y aura le problème de 1900 à la fin qui est en double. Voilà, que je n'ai toujours pas corrigé.
mais qui va se corriger au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Et ensuite, on a du coup 1960. On est resté du coup, comme disait Nebuler, jusqu'à 1960. Alors, pour l'instant, on ne dérive pas de ça, puisqu'on est toujours dans les 1900 en ce moment, 1800 même. La dernière fois, je crois que c'était 1800, toujours la fin en fait. C'est toujours un peu la fin 1880 dans ouais, ces alentours-là en je général. Je crois qu'on est allé un peu sur 1910 ou un truc comme ça. Oui, une seule fois peut-être, mais voilà. Donc du coup, la frise est en fond. Et du coup, on va peut-être commencer directement avec... je pense que ça va, on va être ici, je vais vous montrer de loin quand même ce que ça donne. Comme ça, c'est plutôt joli. Voilà. Sachant que du coup, la semaine dernière, on était plutôt sur des artistes... on a eu des artistes finlandaises, je crois, et des artistes australiennes. Il y avait une allemande aussi, il me semble. Ouais, donc du coup, en fait, c'est juste pour vous dire que comme on clique de page en page, souvent on explore des zones un peu géographiques jusqu'à tomber sur quelqu'un qui n'est plus dans cette zone-là et qui nous ouvre un autre, tout un autre pan. du coup, donc là... Alors, attends, il faut que je montre, voilà. Donc, la première artiste, Althea Marie Proctor, qui est née donc en 1879 et morte en 1966, et c'est une artiste australienne, donc du début du XXe siècle, hein, qui correspond à sa période de vie, hein, bien entendu. Alors, c'est bien de préciser, mais... la voix qui baisse, en plus, c'était marrant. Du coup, alors, elle est née donc... à Armidale, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Donc les dernières fois, on était plutôt vers Adélaïde, donc nous découvrons aussi la géographie de l'Australie. Je sais absolument pas où c'est, moi, en termes de géographie, mais bon. Bon, pour regarder, je crois qu'il y a la faute, il y a toujours une image de... Ouais, normalement, quand... Ah et bah, bien, là, voilà. C'est tout à fait compréhensible. Nous allons regarder la map. Juste, histoire de savoir. D'accord, donc on est ici et... On est ici. On est dans le sud. On est dans le sud. Je suppose que c'est la Nouvelle-Galles du Sud, mais je suis pas sûr. Oui, c'est ça. Bah, du coup, la dernière fois, je sais pas où on était par différence, mais bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va... c'est sa grand-mère donc, qui va encourager son intérêt pour la peinture. Elle va étudier donc, à l'école d'art de Sydney à partir de 1896 sous la direction de Julian Ashton, puis à la St. John's Wood Art School à Londres en 1903. Et donc Ashton et Proctor deviennent amis pour la vie et elle lui sert plusieurs fois de modèle. Donc elle va être à Londres de 1903 à 1912. Elle va travailler avec d'autres artistes australiens expatriés. Donc comme Arthur Stritton et Charles Conder, voilà, qui vont faire des dessins et des aquarelles, influencés par Conder, je ne sais pas qui c'est, et par les estampes japonaises. Ah oui, Charles Conder, pardon. Donc elle va revenir à Sydney en 1912, de 1912 à 1914, et elle va à nouveau revenir à Londres jusqu'en 1921. Elle va exposer à la Royal Academy of Arts et au New English Art Club, où elle aura produit des lithographies. Et donc elle va aussi exposer au Senefelder Club et à la Lander Goupil Gallery. Donc nous n'avons pas de date, nous supposons que c'est entre 1912 et 1921, mais voilà. Et donc elle revient à nouveau à Sydney, donc après cette période-là, et elle va exposer chez Margaret Preston, que nous avons vu, qu'on a regardé la semaine dernière, il me semble. Il me semble, Preston. Oui, je pense que ça devait être notre client, justement. Donc en 1925, et elle va fonder le Contemporary Group avec George Washington Lambert, et elle va exposer donc en... notamment en 1926 et 1928 avec Grace Coxinstone Smith, qui est en fait la deuxième grande artiste australienne, c'est ça, hein, qu'on a vu aussi. Ah, on l'a vu déjà, j'avais ouvert, il me semble. Il me semble, oui, ça me dit quelque chose. Voilà, on vérifiera. On va revérifier. Donc avec à nouveau Margaret Preston, Roland Vaclin et Roy de Maistre. Donc, elle va aussi enseigner au Adrian Feint les techniques de la gravure sur bois de 1926 à 1928. Et voilà. Et comme elle, il produit des couvertures pour magazines, donc je suppose qu'elle parle de Adrian Feint.
plus tard, donc elle va enseigner aussi l'impression de linogravure à l'école d'art Julian Ashton de Sydney. Et donc parmi ses élèves, il y aura Jean Belette. Et voilà, et elle va aussi enseigner le dessin à la Société des arts et métiers de la Nouvelle-Galles du Sud. Et donc avec Margaret Preston, elles vont exposer régulièrement ensemble à Sydney et à Melbourne, jusqu'à ce qu'une jalousie professionnelle mette un terme à cette relation en 1925. Et donc, ils disent que Thea Proctor s'attache également à faire connaître le travail négligé de son cousin, John Peter Russell. C'est bizarre de préciser le travail négligé. Négligé, mais en fait, c'est parce que négligé, ça veut pas dire ça. En fait, quand j'ai lu travail négligé, j'ai l'impression que c'était lui qui les faisait pas bien, en fait. Tu vois, quand on dit « Ah, c'est un travail négligé ». Il faut que d'abord tu expliques pourquoi tu dis justement que c'est pas ça, alors. Parce que c'est quoi ? S'ils disent qu'elle s'attache à faire connaître le travail négligé, ça veut dire que c'est un travail qui est mis de côté par les gens, pas que c'est le travail qui est lui-même négligé, tu vois. Mais c'est pas ça clair. Ça a double sens, je pense. Je pense que ça a double sens, en fait. Le truc, c'est qu'il faudrait voir les œuvres et un peu l'histoire de la personne. Mais de toute façon, on s'intéresse pas trop à John Peter Russell, hein, sur le coup. Alors juste, je me demandais si, du coup, on a ouvert la page en français. Est-ce qu'il y a une page en anglais pour qu'on regarde sur la période de Londres, si on a une date sur le moment où elle est passée, parce que ses premières expos sont à Londres et pas en Australie. Ben, on va regarder. Alors du coup, ça devait être là. Voilà, comme d'habitude, la page en anglais qui est beaucoup plus fournie, où il y a plus de détails. Donc il y a un peu plus de détails là. Donc là, elle expose, ouais, mais ça c'est quand elle revient, elle expose en 1925, ça on l'avait. Mais je crois qu'il y a écrit la même... En fait, c'est pareil, elle expose à la Royal Academy of Art, et Ouais, donc c'est... Elle expose à la Royal... En fait, ils disent qu'elle... Elle va quitter Sydney et aller à Londres entre 1912 et 1914. Elle travaille à Londres entre 1903 et 1921. Donc, comment tu sais c'est quand sa première expo ? C'est avant 1925, mais on ne sait pas quoi. Bah, après, on pourrait chercher Ouais, c'est vrai qu'on sait pas. On sait pas si c'est dans l'ordre chronologique, en fait, ouais. Ces expositions. Donc, Peut-être qu'il y a une... Tout en bas, des fois, il y a les listes des expositions. Non, il n'y a pas. Ouais, bon, bah voilà. Bah après, si à Royal Art Academy en source, peut-être qu'on aura une date à peu près. Ouais, bah... Sinon, on va chercher du côté de Aware. Cherchons Aware, mais des fois, Aware, ils ont pas les artistes qu'on cherche. Alors, tu veux expliquer ce que c'est Aware ? Alors, Aware, c'est une association qui travaille à produire des archives des femmes artistes. Donc, qui est aussi une association qui fait de la recherche et des expositions et qui participe aussi à des événements pour mettre en avant les femmes artistes du 19e et 20e siècle. Voilà, globalement. Et donc, du coup, c'est une de nos sources parce qu'ils ont des notices d'œuvres assez précises quand c'est des artistes qu'on cherche et qu'on trouve, mais c'est... Si on trouve, mais après, c'est surtout que ça nous aide si jamais on a une perte d'informations, tout simplement. Mm. Du coup, là, ça a l'air d'être un peu compliqué. On va essayer de continuer un peu à rechercher du côté de dictionnaire des universelles des créatrices, voilà. Alors, Thea Proctor non plus. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui a pesé. Ouais, mais ça, je crois que ça veut rien dire. Ah, bonjour Google. Alors, on va chercher du côté de Google. Tac, 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 tac. Art Gallery, peut-être. C'est le gouvernement australien, ça peut aider. Misty Proctor. Alors, Exhibition History, bah ça c'est bien. Ah. Voilà, 1904. Mais ça, c'est vraiment génial, merci beaucoup. Merci le gouvernement australien. Mais on ne sait pas vraiment pour quel est votre placement politique, mais on va dire merci. Donc en fait, la même année, en 1904, elle a donc exposé à la Royal Academy of Art et à l'exposition d'automne de Liverpool. Eh bien, voilà. Alors, bon, vu qu'on est là, je pense qu'on peut regarder s'il y a des photos d'œuvres. Voilà. Non, mais ça, c'est Georges. Qu'est-ce que fout Georges ici? Peut-être, oui, voilà.
Georges, 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 Georges. Y a pas que du Georges là sur les 97, rassurez-moi. Et ça, c'est son frère, du coup, c'est ça? Non, il s'appelait John. Ah, son cousin, peut-être, oui. Les œuvres négligées de son cousin, mais pourquoi il y aurait que des œuvres de lui? Sur un Trop nom, bizarre. attendez, revenons en arrière. John. Parce que moi j'ai vu John Peter Russell, qui est son cousin avec son travail négligé là. Et là on est tombé sur un George. Mais il n'y a pas George dans sa fiche wiki. Quel est ce lien incroyable? Peut-être son mari. Bah il aurait dû être écrit dans son truc. C'est vrai. 1904. Bon, de toute façon, nous, on est sur... Voilà, 1904. Hop. Ouais, déjà mettre 1904, puis après, on regarde dans son Allez, travail. Faut faire des bruits de bouche. Voilà. Ouh, Hermine David. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Margaret Preston, qui est en 1905. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, je regardais, j'essaie de me souvenir de l'autre nom qu'on a vu tout à l'heure, où j'ai dit, je crois qu'on l'a déjà, vu, mais je ne me souviens plus. Je n'ai pas de mémoire. Mais on avait fait un petit récap en plus à la fin de dernier épisode, justement pour voir les places. C'est toujours agréable de vous faire ça, de toute façon. Alors attends, on va vérifier. Tu m'as dit que c'était qui ? Margaret Preston ? Non, non, Margaret Preston, on l'a, elle est en 1905. C'est Cossington, c'est ça ? Cossington Smith ? Grace Cossington Smith, voilà. Ok. Pas vérifiant. Alors... Oui, elle est là, en 1915. Et donc D'accord. nous l'avons faite la dernière fois. Donc Théa Fractor, je pense que c'est bon. Bah, je vais vous cibler again sur Théa Fractor. Voilà, 1904, début 1900 du coup. Il nous manque 3 ans là, mais ça va arriver je pense très rapidement. Et donc ses œuvres alors Et donc ses œuvres. Alors je sais pas si Petit Cancanou est de retour parmi nous, mais j'ai pas l'impression. Son ordinateur est peut-être en PLS. Petit paix à son âme. Et n'hésitez pas à follow Petit Cancan. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus et abonnez-vous. Mettez un pouce rouge. Un pouce bleu, c'est ça? Je sais plus. Un pouce vers le haut. Pour YouTube et Twitter qui sera mis à jour là incessamment sous peu, justement parce qu'on met à jour sur Twitter nos rencontres avec les artistes que nous voyons dans la soirée. Donc Théa Fractor par exemple fera partie de la ce sera la première d'aujourd'hui. Et justement de pouvoir avoir aussi une sorte de récap des personnes qu'on voit. Bien entendu, il y a aussi. Là on est à 4 épisodes de chronologie sur YouTube. Mm-hmm. Donc n'hésitez pas non plus à aller checker les replays si vous avez envie de voir depuis le début. Nos discussions et rencontres différentes. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Voilà. Donc, on a fini Théa Fractor, on va regarder ses œuvres. Wikimedia, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu nous entends, mais Wikimedia ? Es-tu parmi nous ? Es-tu parmi nous ? Je ne crois pas, il n'est pas là. Je pourrais cliquer sur son image, mais on va regarder du côté de Wiki. Je voudrais mettre le contrôle parental, on sait jamais avec les artistes. C'est clair. Donc là, les gravures, les linogravures, comme on disait. D'accord, donc c'est très inspiré aussi de des estampes japonaises, comme il disait. Enfin, un peu dans le style, non mais vite fait. Parce que là, c'est un peu plus... C'est inspiré par la culture espagnole. Ouais, mais ça ressemble à, une des autres artistes qu'on avait vues, en fait. Oui, une ukrainienne, je crois. Non, je crois pas. Hein. Je crois que c'était aussi une australienne. Une australienne hein. Ah, c'est possible. Où on avait lu tout son boulot et après on avait découvert ses œuvres. Elle faisait des paysages et tout ça, tu sais. Ok, donc beaucoup de gravures. Le super portrait. Portrait d'elle.
Ok. Là, on retombe sur le truc du gouvernement australien et du coup, il y en a. Ouais, trop J'ai du bizarre. mal à saisir. Peut-être parce que c'est Proctor TA plus que. Bah, essaye de regarder à la limite. Mais... Regardons. Ah, souvenir. Comme ça, c'était ça qu'on avait tout à l'heure. Tu te dis, ah, comme si on venait de le découvrir. Non, mais... Oui, mais moi je suis... Ah, voilà. tu es naïve. Ou pardon, excusez-moi, c'était ASMR Canette Ah oui, non. de Sampé. Qu'on est obligé de cliquer one by One by one. one. One by one. Bon, C'est oui, ça va bizarre. être trop long à regarder en entier, mais si vous voulez vous intéresser, je vous conseille du coup ce site. Site in the description, comme on dit. En plus, là, il n'y a que des dessins. Peut-être pas in the description, mais au moins in the chat. Est-ce qu'on peut regarder, à la limite, si on voit, parce qu'il n'y a que des dessins, est-ce qu'il y a des peintures parce qu'il y a 4 pages, apparemment. Drawing, 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 drawing. Print, print, print. Alors, oui, bah, on va faire des sauts de page, hein. Ah, il y avait écrit View Image Only. Est-ce que ça marche, ça? En tout en bas. Ah, bah oui. Ah, bah merci. On aime mieux, ça. C'est très bizarre, comme... Ah, oui. Des Bah, c'est un dessins choix pour. d'études. C'est de l'accessibilité pour ceux qui ont une petite connexion, je pense. C'est bien. Parce que là, on envoie des ressources, on envoie des données là. Ok. J'aimerais bien regarder ça. C'est cool. Woodcut. Et oui, parce que c'est pour ça, je me disais bien. Ça, c'est très inspiré de les ballets, tout ça, c'est très marrant, parce que c'est toujours un travail des années 1900, quoi. Et des illustrations, on a fait des illustrations aussi, on dirait. Bah, en même temps, quand tu fais un travail De linogravure, de oui. lino et tout ça, C'est souvent vrai. tu fais Trou, 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 des trou to be impressions. told. Trou to be told. Très bien. Bon. Eh bien, c'est bien, on a trouvé des choses plus complètes parce qu'on a eu moins de chance sur certaines. Hein. Je crois que Petit Quinquennou est parmi nous. Je crois que elle est comme Wikimedia, elle est dans le coin, mais elle nous le dit pas. Du coup, Théa Proctor, c'est bon. Je pense qu'on peut passer à la suite. Oui. Elena Westermark. Esther Mark, qui est donc Attends, je remets ça. Hop. de Helsinki, donc finlandaise. Elle est artiste peintre et écrivaine suédo-finlandaise. Donc, elle va étudier de 1874 à 1877 à l'école de dessin de l'Association des arts d'Helsinki, où elle va rester jusqu'en 1880. En 1880, elle s'installe à Paris et étudie à l'Académie Colarossi, pardon, encore. Carla aussi, n'importe quoi. Entre 1800. Carla Bruni. Oh, ça va. Hein. En 1880, 1881. Et en 1884, avec Hélène On l'a Schwarzbach. écouté 15 fois la dernière fois, on a essayé. On a essayé, On on a a essayé. essayé. Écoutez les chronologies des femmes artistes précédentes pour nous entendre prononcer Hélène Schwerbeck correctement. Donc Voilà. je précise, donc du coup là on est au 15, donc c'est le 14 et le 13. Exactement, puisqu'on l'a fait deux fois, on a fait l'effort. Hein. Ouais, c'était beau. Donc à Paris, Elena Westermark contracte la tuberculose. Bravo. Et elle ne peut Quoi, continuer à. bravo? Et elle ne peut continuer. C'est une maladie d'un siècle, pendant Mais ça va, longtemps, tranquille. même Non, mais ça maintenant on est va. toujours Tranquille, elle malade. meurt à 80 ans, donc ça va. Ça va la tuberculose? Bah, elle a la tuberculose jusqu'à 80 ans. Non, Tu mais vois, elle bah est. tu souffres, hein, tu peux plus faire beaucoup de sport, je crois. Donc elle commence. Je suis pas sûre qu'elle faisait beaucoup de sport. Hein. Mais tu vas répondre constamment? Et si Oui. elle en faisait alors? Donc elle va. Elle peut plus trop continuer à peindre, même si elle va guérir de la tuberculose. Pendant sa maladie, elle va commencer à écrire des essais et des critiques d'art pour la revue Finske Tidskrift. Elle va ensuite Bien tenté. écrire de plus en plus au sujet de la condition féminine et de l'histoire des femmes. Elle est parmi les personnes les plus influentes de l'Union féministe de Finlande. Qui étrangement n'a pas de page Pas de Wikipédia. page. Et elle est la sœur Qui de a une page l'anthropologue Wikipédia finlandaise. finlandaise. Qui n'est pas traduite du coup en français. C'est intéressant. Elle est la sœur de l'anthropologue Edward Westermark. Très bien.
Donc au niveau de ses œuvres écrites, on va passer, hein, parce qu'on essaie de trouver plutôt Belles lettres, ces belles peinture. lettres. Oui, bah belles lettres, c'est peut-être. C'est pas comme ça qu'on dit pour tous les artistes qui ont écrit? Je sais pas. Peut-être c'est. J'en sais rien. On est encore face à un poète du Wikipédia. Donc divers après, ok, prix récompense. Ah ouais, mais elle a plus littérature. Mais bah non, il y a des. Non, parce qu'ils disent que justement c'est une peintre. Ouais. Mais Activité peinture. Mais du attends, coup, en après il y a bas, il des y a des trucs. trucs non référence. Il n'y a pas une page en anglais? Il y a une page en finlandais, si tu veux. En finlandois. En finlandois. Non, il y a une page en anglais. Selected Ouais. Works. Mais je crois que c'est à peu près la même taille, hein. Je sais pas pour vous, mais je pense que c'est à peu près la même taille. Et là, donc, il y a écrit. Alors, attends, il y a une précision très intéressante au niveau de la géographie, tout en haut. Il y a écrit donc qu'elle est finlandaise, mais elle appartient à la population qui parle suédois en Finlande. Et notons-le, hein, c'est Oui, vachement important. c'est important. C'est très important. Non, mais tu précises, mais du coup, c'est à que ça servait? Bah, ça sert, hein. Il y en a qui regardent les signatures, il y en a Qui regarde les qui langues. regardent voilà, C'est la la première fois que tu regardes géographie. les langues, la Non, géographie non, aussi. ça m'a interpellé, ça m'a interpellé. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Quel Donc, mauvais soir. elle va travailler pendant une très grande période en France, souvent en compagnie de Hélène Schacherbeck. Et elle va, excusez-moi, hein, et elle va développer un style réaliste, spécialement avec des portraits et des compositions de visages. À l'exposition universelle de 1889, elle va recevoir la mention honorable pour sa peinture Treckerschorre. Après. C'est bien, t'essayes au moins. Voilà, donc on sait qu'à l'exposition universelle de 1889, elle va recevoir une mention honorable pour sa peinture, donc on peut, je pense, une exposition universelle, c'est quand même pas mal au niveau de la monstration. Ça rentre? Donc elle va contracter la tuberculose, donc ça c'est ce qu'on sait. Mais... Ah, et en Attends, fait. attends, je crois qu'elle a eu la tuberculose. Non, mais attends, parce Je qu'en crois fait. elle peut pas faire de sport. Ouais, parce que en fait, attends, parce qu'il y a une précision, elle va abandonner la peinture, parce que dans le français, il disait qu'elle pouvait plus trop faire de la peinture. Mais là, carrément, elle l'abandonne et elle va se dédier donc à l'écriture. Ah, donc en français, c'est très mal traduit. Il faudrait le signaler. Bah si, il a écrit belles lettres, ou elle avait écrit belles lettres. Non, mais bon. Et donc après, voilà, elle fait. Ah, il y a une petite figure, série de biographies de Female Figures, et il y a Mathilda Rothrich. Non, mais c'est pas. C'est une peintre? Ah oui. Adélaïde Ertrud. Ernrud. Walter et Rosina Ekel qui est medical doctor. Pas mal. Ok, très bien. Et donc, voilà, bah, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses en bas? Il y a Selected Work. Pas Ouais, il y a grand-chose de l'édit de ses plus. pièces, la galerie de ses œuvres. Y a Ok. pas grand-chose en œuvre, mais. Oui, bah en même temps, elle a pas été peinte très longtemps, mais bon, bah très bien. Du coup, 1889. 1889. Est-ce que pendant que je mets la frise, je te rendrai pas ton coussin et tu pourrais t'asseoir du coup confortablement? Non, c'est bon. Ça va? Oui, ça va. Ok. Parce que bon, je te l'ai piqué quand même tout à l'heure au début, donc. Ok. Donc c'est It's avant 1800. 1800, 1800, 1808, 1909, je me rappelais plus. Donc 1888? 1889. J'étais dans ma gêne. Il y a pas 1889. Tu, Et on tu, tu, passe tu, sur le tu. moment préféré. Ah mais bah, ça va, il y a plein de place Mais encore. oui, mais parce que Oh j'ai fait la là technique des frises par siècle. Maintenant, là. cette Ouais. technique est officielle et est rentrée dans le. Dans le, dans le... Si vous voulez voir très galérer à mettre à jour une frise, vous pouvez aller Ça va. Ça va. sur le J'ai vu l'épisode chronologie. 4 aujourd'hui. Ça va, c'était pas la misère non plus, hein. Parce qu'il faut savoir pour les nouveaux arrivants, mais je pense que si vous regardez cet épisode, c'est sûrement que vous avez vu ceux d'avant. En fait, Thresvis a changé la frise, puisqu'avant c'était une ligne ininterrompue qui partait de donc
1700. Oui, c'était une frise, une seule. Voilà. Tu une peux seule préciser, et même là, il y en a trois, avec des siècles, voilà. Voilà. Et que du coup, il y avait moins de place. C'était, pas besoin c'était, d'en parler pendant 15 ans. Hein. C'était moins simple. C'était moins simple. Je sais pas pourquoi tu tournes autour. Pourquoi bah, je sais pas. C'est rigolo. Donc, Helena Westermarck. Donc, elle faisait surtout de la peinture. On est d'accord la date là ? Parce que tu étais en train de me charger. Mais oui, exposition universelle, j'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais il y en a eu plein des Webis expositions. Attends, bah non, il y a écrit en 1889. Mais. Exposition universelle pas... de 1889. Oui, mais, oui, mais c'est pas. Mais. Je te demande la date. Tu me dis oui, 1889, mais c'est pas une justif. Ça a disparu. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il s'est mis là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on a des problèmes d'artefacts bizarres en ce moment. Bah. Je sais pas, il se met par rapport à quoi exactement ? Ouais, tu le centres, mais il se centre pas. Mais tu sais, c'est. Oui, c'est comme celui de la dernière fois, c'est ça ? Mais là, c'est comme s'il y avait une sélection bizarre. Il y a une sélection bizarre ailleurs. Attendez. Oui, parce qu'ici, c'est aussi le stream où on se rend compte en live qu'il y a des bugs et on essaie de les résoudre, parce que sinon, c'est le genre de truc qui va... Ah ! Ça fait partie d'un groupe, ça ? Ah bon ? C'est le groupe de qui ? C'est le groupe de quoi ? Il n'y a pas de groupe. Il est tout seul. Il fait un groupe à lui tout seul. Il fait groupe tout seul. Bah, écoute... Vu que je regarde pas les calques, c'est compliqué, hein, je devine. Bah écoute, on va le faire à la main, hein, et on verra plus tard. Parce qu'on est un peu... on met la main dans le cambouis, nous, dans ce stream. Vous avez dû voir le chip stream qui doit être renommé maintenant, mais pour l'instant, on n'a pas de nom. C'est bien un chip stream, moi, je trouve. Même pour un truc qui est de bonne qualité, je trouve que c'est... Je sais pas. Je me pose la question. Je me pose la question, parce que... Bon, voilà. 1889... c'est bon. Alors attention, deuxième ASMR canette prévu. Je te conseille d'y aller d'un coup parce que voilà. On va peut-être baisser un peu alors, le son. On coupe deux secondes le temps que Allez, ouvre ta canette. C'est bon. Elle a allumé sa canette. C'est bon. c'était une bonne phrase. Bon, alors revenons sur nos lauriers. Qui ne sont pas de nos lauriers. Donc peinture à l'huile, a priori. Hein, On va regarder un petit peu. Petite pause. Portrait of... Watchmaker. Watchmaker. C'est quoi un, Watchmaker ? Un créateur de montres. Ah, un horloger. Un créateur de montres. Moi, je l'ai traduit littéralement. Hein. Albert Westermarck. Bah voilà, c'est lui, Albert... Non, c'était pas Albert Westermarck. Non, c'est son père. Et l'autre, c'était Georges. Je sais pas quoi. Abyssinian. Ah! Le fils de Colarossi, ou de Carmen Bruni. Ça devait être un gars qui traînait à Colarossi. Bah non, c'était le fils. Mais. C'est ah le ouais. fils. Mais tu. Tu mais on sait pas qui c'est Colarossi, puisqu'on sait juste si, qu'il y a l'école Colarossi. C'est l'école, hein. Bah oui, mais ça doit être. Tu vois, Académie. Donc c'est pas le fils de l'Académie, tu vois. L'Académie, elle peut pas accoucher. Mais attends, parce que là. Tu te doutes quand même qu'il y a des gens. C'est comme si tu me disais, Médicis. C'est voilà, c'est Filippo pas... Colarossi, d'accord. Médicis, c'est pas une famille, hein. C'est un endroit et des gens qui donnaient de l'argent, mais c'était une académie surtout. Hein. Oui. C'est la même chose. Et on parlera peut-être des Médicis un jour, hein. ça peut être intéressant. Hein. Mm-hmm. Parce qu'ils ont quand même mis plein d'argent dans la. Du coup, Helena Westermarck, c'est bon. C'est bon, Helena Westermarck. Du coup, ça tombe bien. Pourquoi j'ai pas besoin de l'enlever de... Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est partie toute seule ? Ah non, c'est juste que... C'est juste que j'ai... Elle était pas dans notre recherche à la base. Ok. Mathilda Roth. Ouais, mais celle-là, on vient de l'ouvrir. On la met à la fin, s'il vous plaît. C'est une page en anglais. Ah, c'est en anglais. Mais je suis sûr qu'il y a pas du français là-dedans ? Ok, c'est pas grave. Okay. Voilà, Hilda. Alors, Hilda Flodin. Flodin. Bah, elle est finlandaise. On prononce in. Bah oui, mais je sais pas, Flodin. Hilda Flodin, elle est née en 1877 et elle est morte en 1958. Et elle est sculptrice et peintre, ce qui est rare, finlandaise. Enfin, en tout cas, rare dans le sens où on n'a pas vu quelqu'un qui était peintre et sculptrice. Ou peintre ou sculptrice. Oui, c'est en général, tu fais vocation d'une seule. Donc, elle est née dans une famille qui était passionnée par la musique et les arts. Sa sœur est pianiste.
Son cousin est compositeur et sa tante est cantatrice. Donc, elle va commencer à étudier l'art en 1893, alors qu'elle a uniquement 16 ans, à l'Académie des Beaux-Arts de Helsinki. Elle est dans la même classe qu'Hugo Zimberg et Esther Hellenius. Esther Hellenius, qui es-tu? Il n'est personne. Elle. Parce que Esther, c'est un nom Ah, de bah oui, femme. bien sûr, Oui, bah, il n'y a évidemment. que toi. Bah, oui, alors, du coup, bonsoir, petit cancanou. Je crois que tu es fatigué. Tu veux vraiment pas remettre ton coussin Mais et te non, mais c'est poser? bon, j'ai cru que Ok. Esther c'était un nom de garçon, ça va, c'est possible. T'as des problèmes avec les prénoms, je trouve, dans la chronologie. Oui, donc Bonjour, c'est. cancanou. Hein. Heureux de te revoir. Ce n'était pas un blue screen, j'espère. Donc dans ses professeurs, il y avait Albert Gebhard, Eline Danielson. Est-ce que Eline Danielson, tu sais si c'est une fille ou un garçon, toi? Par exemple. Moi je dis que c'est une fille. Mais je crois pas. Oh. Je tombe toujours bon, mais parce que tu vois, j'ai. Et La donc, connexion directe. Maria Wiik. Donc ça, Maria c'est. Wiik. Alors, est-ce que c'est une peintre déjà? Oui. Arti. Oh là là, Oh là là, on on a remonte dans toutes le les temps. finlandaises. On On a remonte toutes les dans le temps. finlandaises. Ça y est, c'est parti. Et elle avait donc en sculpture, ça c'était pour les. Ah non, c'est professeur, d'accord. Et en sculpture, Johann Friedl et Karl Enald Sjöstrand. Et donc, elle se souviendra particulièrement d'Hélène Schwerzbeck. Verstmark. Non, Schwerzbeck. Schwerberg. Voilà. Elle va remporter un prix à la fin de sa première année en 1897, se classant troisième au concours annuel de la Société pour les jeunes artistes. Et en 1903, elle prit la deuxième place. Une fois ses études terminées à Helsinki en 1898, Flodin étudia en Italie. Elle va poursuivre ses études à Paris en 1899, où elle va vivre avec sa sœur Fanny, où elle va être mariée à Julien Clerc. Non, Julien Leclerc. Qui était un critique d'art français. Donc, Flodin, elle va aussi fréquenter l'académie Fatigue. Colarossi Wow, la fatigue. de 1903 à 1906. Elle va assister Auguste Rodin, auquel elle fut présentée Tu par sais que plus t'es l'intermédiaire de son fatigué, plus tu beau-frère. parles fort en plus. Hein. Ouais, Regarde, ouais. regarde, même petit cocadou, elle est en mode criage sur. Donc, alors, elle va donc faire, elle va assister Auguste Rodin. Et donc, comme de nombreuses étudiantes de Rodin, elle fut sa modèle et maîtresse. Bah, bravo. Donc Rodin a Bah été. Rodin bravo, couchait avec toutes ses assistantes. Bravo, hein. Flodin et Gwen John. Gwen, c'est John, vraiment? Yon, c'est pas Yon plutôt? Bah non, John, il a écrit Gwen John. Ah oui. Ah là 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 là. Je crois que c'était Yon. Une autre des étudiantes qu'elle présenta à Rodin eut également une liaison décrite comme intense et érotique. Bon, Rodin, pas du Tiriri. tout dans l'abus, hein, je trouve. Alors, et donc elle n'a pas croisé Camille Claudel pour l'instant. D'accord. Je sais pas, c'est pas la même époque, je pense. Flodin fait figure de pionnière finlandaise de la sculpture et de la gravure dans un monde où la sculpture fut considérée comme un art masculin. Au début de sa carrière, Flodin est davantage connu pour ses sculptures. Alors. Celle-ci comprenait un buste en marbre de Robert Cajanus, en bronze, vieil homme pensant, désolé, qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, c'est la phrase sur la sculpture. C'est clair que de toute façon, la sculpture, il faut un zizi pour le faire. C'est normal, j'ai l'impression. C'est incroyable. Et sinon, si Mais on est c'est vrai en assistante, plus. on Hein. doit coucher avec le zizi. Ouais, bah oui, Bah oui. parce que attends, c'est ça qui fait les traces de la sculpture. Tu vois, les belles fesses fermes d'une sculpture romaine. Ça a été fait avec un zizi. Bien sûr. Bon, bref. Donc J'en là, peux plus. voilà. Après, c'est Ah, moi ils qui m'ont suis fait craquer. fatiguée. Oui, toi t'es Non. fatigué et là je commence à prendre aussi. Non. Alors. Donc, c'est la pionnière de la sculpture et de la gravure dans un monde. Voilà, ok. Au début de sa carrière. Donc elle est plus connue pour ses sculptures. Elle va faire un buste en marbre de Robert Cajanus, qui est exposé dans le musée d'art Athénéum à Helsinki, et aussi des sculptures d'inspiration folklorique entourant l'entrée principale de l'immeuble
Pojola, qui est ce que je suppose qu'on voit à droite, là, créé par le cabinet d'architectes, blablabla. Ok. Donc, c'est une des aussi des premières graveuses finlandaises. Albert Tennanen dit qu'elle fut la meilleure graveuse de Finlande. En 1902, Louise Parr écrit de ses gravures qu'elle a donné la promesse d'un talent très considérable. Et une partie de son travail rappelle celui des meilleurs maîtres du passé. Et elle va donc exposer au Salon d'automne de Paris en 1903, puis en 1905. Elle va ensuite revenir en Finlande en 1906. Et Non, mais tu peux parler en français, voilà. je comprends nul français d'ailleurs. Donc elle revient en Finlande en 1906, et sa relation avec Rodin s'estompe, bah oui, parce qu'elle va en Finlande en même temps. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est plus étudiante? Ouais. En 1907, elle est la seule femme artiste participant à la première exposition d'art graphique de Finlande. En 1910, elle s'installe à Viipuri. Voilà, très intéressant. La même année, ils organisent une exposition commune qui voyagea ensuite à Turku et à Helsinki. 60 peintures, bah, bon, ça d'accord, très bien, on est content. Elle va commencer à peindre seulement en 1908 et à partir de 1910, elle va se concentrer donc sur ses portraits. Beaucoup de ses dessins et peintures sont des enfants et des femmes plus âgées, mais elle a également peint un certain nombre de portraits de groupes, y compris les membres du conseil exécutif de l'Académie finlandaise des sciences. Et donc après, entre 1899 et 1930, elle va exposer régulièrement dans de nombreuses expositions d'art finlandais. Et elle va exposer à nouveau au Salon d'automne de Paris en 1913 et en 1927. Je trouve que Petit Cancanou, tu sépares pas assez l'homme de l'artiste. Hein. Franchement, dur. Hein. Aïe, 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 coup dur pour Guillaume. Coup dur pour Guillaume Rodin. Hein. Non, mais là, sur le coup, je pense que tu as pas de... Mais non, mais Petit Cancanou, tu comprends rien. En même temps, elle part en Finlande. Comment tu peux... Il n'y a pas de relation à distance avec Rodin. C'est soit t'es son assistante et t'as le droit à des plus-plus, soit tu pars et t'as plus le droit. Enfin, c'est normal. Du coup, ta relation s'estompe. Il y a d'autres filles après. Hein. Donc voilà, du coup, collection, exposition, tiens, parce que du coup, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a fait sa première exposition, parce que j'ai été perturbée. T'as été perturbée par le zizi de Rodin, j'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça, je pense. Non, mais en bas, il y avait écrit, voilà, collection, exposition. Donc on s'en fiche, très bien, référence, ok, il n'y a pas de liste d'exposition, donc on doit revenir tout là-haut. Je check en bas, hein, ouais, mais ouais. Bon... Parce qu'il y a écrit qu'elle fait des expos à Paris. Mais oui, elle dit tout, là. C'est tout écrit. Enfin, elle... En haut, c'est plus haut, je pense, du coup, non ? Ouais, en fait, il y a le prix qu'elle remporte à l'école en 1897 et en 1903. Si elle a gagné un prix, c'est une démonstration, hein. Oui, on peut considérer... Parce qu'on a déjà mis quelqu'un qui avait gagné un prix dans son école. Et c'est une démonstration à un grand public, en fait, hein, déjà de base. Mm. Même oui, si c'est pas un public, mais en même temps, il n'y a pas tout le pays qui aurait vu ses œuvres. Bah, en fait, le truc, c'est qu'après, je crois que du coup, c'est plus loin, en fait. La première expo, 1903, puis 1905, au Salon d'automne, 1897, oui, ça fait quand même de la différence. Pas tant que ça, mais ça fait quand même de la différence, donc... Bon, du coup, petit Cancanou, toi qui es modo, je pense que tu, dans les futurs, dès que tu entends le nom de Rodin, je pense que tu peux faire un trigger warning sur la personne en elle-même. du coup, voilà, on a fait 1897, c'est ça ? Bah oui, si c'est la fin, si, mais c'est la fin de sa première année d'études, c'est un peu abusé quand même. Bah, c'est une monstration. Oui, mais bon, à ce moment... Oui. La Société pour les jeunes artistes, c'est en plus. C'est vrai. C'est un concours. Non, mais c'est vrai. Bah elle est troisième et après, en 1903, madame, elle est deuxième. Excusez-moi. Hein. Allez, on t'accorde ça. On t'accorde ça, on n'accorde rien du tout, c'est sa réalité. 1897. Voilà, très bien placé. Ça va nous rajouter des années, c'est cool. Oui, mais en fait, je disais tout à l'heure, elle n'a pas croisé Camille Claudel, mais c'est normal, parce que Camille Claudel, c'était... On est d'accord que c'était plutôt 1920, c'est après, non ? C'est après. 1800, je crois que c'est 1888, un truc. Non, c'est... Ou c'est avant ? Je sais pas, on verra. On va regarder, on va vérifier.
Trigger warning Rodin. Ouais, non, mais oui, hein. Je suis désolé, hein, petit coconut, tu as. Note, hein, parce que. C'est comme Diego Rivera qui se retrouve dans toutes les bios. Hein. On risque de se retrouver dans le même problème. Hein. Après, est-ce que Diego Rivera était. Bon, bref. Il reste toujours le centre de Tina Modotti, apparemment, et Frida Kahlo, quoi. C'est un peu triste. N'oublie pas de changer la date aussi. Mais oui, mais ça, je le fais à la fin. Voyons. On a dit 97. Oui. Voilà. On me fait pas confiance à mettre les dates et à faire la frise, hein. Je trouve que c'est pas bien. Mais si, je suis juste vigilante parce qu'on s'est perdu une fois. Non, on a mis en double quelqu'un. C'est pas la Ouais, même chose c'est vrai. que. Excusez-moi, hein. Je comprends que les copier-coller sont compliqués, mais. Est-ce qu'on peut juste regarder Camille Claudel 2 secondes, juste Oui, où elle est? bah oui, mais du coup, voilà. Elle est avant. 90, Ouais, mais 80. attends, entre 1890 et... Ah non, parce que c'était... D'accord. En fait, du coup, elle était plutôt dans les années 1900 quelque chose, 1920, donc du coup, elle n'a pas connu Camille Claudel en tant Bah elle aussi, hein. qu'assistante. Oui, pas en tant qu'assistante, oui, voilà. Elles n'ont pas couché avec Rodin en même temps, quoi. Ah mais parce que c'était ça la question. Oh là Mais là, non, c'était Nibleur. est-ce qu'elles se sont Mais on s'en rencontrées, ma fiche du Zizi de question? Rodin! Bon. Modo, dis-lui que faut arrêter. Donc, du coup, moi, Modo j'aimerais petit voir compagnon. maintenant les œuvres de notre chère Hilda Flodin. Donc, peinte, qu'elle a fait des Et ben peintures. en fait, il y a pas là, donc il y a pas de Wikimedia. Donc on va aller checker ailleurs. De la pintura et de la sculptura. La grande question, c'est est-ce qu'on fait des commandes trigger warning? Naï égale Zizi de Rodin. Naï, ouais, je comprends. Je vous Artnet. montre, parce qu'on a cherché sans vous. Artnet? Parce qu'en Artnet cœur général, à on vif. ouvre. Non mais bon, on va arrêter le stream maintenant. Je pense que Nibbler est trop fatigué. Mais non, Bah alors du ça coup, va. pourquoi tu fais la blague Artnet cœur à vif? Bah c'est drôle. C'est une référence que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, mais c'est pour faire rigoler Petit Cancanou dans le Voilà, oui mais chat. c'est. Oui bon, hein, d'accord. D'accord, j'accepte. Bon, alors, du coup, il y a Art Nouveau World, où il y a une sculpture. Il y a même des trucs de. Bon, ok. Il y a les signatures. Il y a celle Pojola encore. Ça doit être la sculpture spécifique. Ouais, Mais c'est des caricatures. c'est un peu vilain, hein. Non, pas des caricatures, c'est tout simplement des. Oh là là! Tu sais, les gargoyles, ça. Des gargouilles, voilà. Ouais, Des. gargouille. Du coup, le Mais regard tu vas de répéter 15 fois en fait? l'enfer, le regard de l'enfer que Trésvis vient de me Mais jeter. ouais, tu répètes après moi, c'est bizarre! C'est la manière dont tu Moi le dis qui je m'a suis fait rire. explosé. J'étais sur YouTube à faire des miniatures toute la journée presque, à modifier des vidéos et à me faire des effets des écrans bleus. J'étais trop Mais content. tu peux mettre Artnet, hein, du coup. Oui, je t'ai demandé tout à l'heure, mais tu m'as dit. Et après t'as Mais fait j'ai dit Zizi oui. Rodin, Mais n'importe et quoi, après t'as rien à fait voir. Gargouille. Voilà, c'était ça nos échanges ces derniers temps là. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis à côté, je subis. Oh Alors mon attention Dieu. parce qu'il y a une petite sculpture dénudée. Oui, mais c'est une sculpture, faut arrêter un Twitch, s'il vous plaît. En plus, c'est une sculpture qui s'appelle Gymnastique, donc bon. Voilà. Donc je vais ouvrir ça et je vais quitter. Et je vais ouvrir ça, et je vais quitter. C'est pas très. Comment dire? C'est peut-être la personne qui n'est pas très belle aussi, hein, mais en même temps. Mais c'était pas super. J'ai vu le recul de Nibbler sur mon côté. Ouais, Après, est-ce c'est... que on juge sur le beau? Je ne crois pas. Non, mais disons qu'elle a un style... En fait, elle a un style qu'on voit assez souvent, en fait. Ouais. C'est marrant. Bon, ça, moi, ça ne me transporte pas, hein, mais... Elle est précurseur. Elle ramène un truc spécifiquement en Finlande? Ou elle amène un truc en particulier? Puisque moi, dans la fiche Wikipédia, à part le fait qu'elle est sculptrice et
Ah non, non, juste elle est sculptrice et elle est assistante de Rodin, hein, tranquille, hein, elle a pas ramené de trucs en Finlande, elle. Hein. C'était celle d'avant. Ah oui, non, mais ce que je me suis dit, c'est bizarre, hein, vu les œuvres. Bah oui, mais bon. Fais ce qu'on peut. Hein. Tout le monde n'est pas Camille Claudel. Hein. Mais arrête de me comparer avec Camille Claudel. C'est pas Camille Claudel, c'est Hilda Flaudin. Mmh. Bon, on va arrêter, Hilda Flaudin, je pense que Nibbler a besoin d'accélérer au niveau du cerveau. Allez hop. Non mais elle, on l'a ouvert il y a pas longtemps aussi. Et donc? Bah on a dit qu'on faisait d'abord ce... Ça c'est une nouvelle. Ça on l'a ouvert il y a pas longtemps. Ok, oh, nouvelle. Ok, c'est une... Non, ça c'est pas une nouvelle. Sinon tu les mets à la fin. Mais non mais... Clara. Nora. Voilà. Mais tu Clara voulais... d'abord, elle est pas en français? Mais non, attends, je vérifie dans la fiche. Clara. C'est Jeanne Bock. Voilà, t'as Jeanne Bock et Clara, et après, t'as de l'anglais si tu préfères. Alors, Jeanne Bock, elle est peintre suédo-allemande, connue pour ses paysages et ses portraits, pour sa carrière d'éducatrice, ainsi que pour ses amitiés avec Bertha Wegman et Paula Modersohn Baker. On a fait Bertha... ces personnes-là, portraitiste, non? Non, Bertha, non. Par contre, Paula Modersohn Baker, on l'a vu la semaine dernière. C'est une des premières qu'on a fait du nord de l'Europe. Alors, donc, elle est née en 1840. Elle est la fille d'un compositeur et critique musical. Très bien. Elle avait des soeurs, des frères, ouais, c'est bien. Elle est portraitiste danois Bertha Kerr. Alors, elle va étudier donc à Stockholm avec une autre jeune femme qui est devenue une amie proche, la portraitiste danoise Bertha Wegman. Combien de vrai? Oui. Elle reste en Suède jusqu'en 1863, date à laquelle elle s'installe en Allemagne pour étudier la peinture. Ah oui, d'accord. C'est... Oui. Donc t'as bugué, je sais pas pourquoi. Elle va donc commencer son éducation artistique à Dresde, puis à Düsseldorf et enfin à Munich. La majorité de sa formation du paysage se fit à Munich sous la tutelle du peintre formé à l'académie Johann Dietrich Christian Lachtko, qui a notamment été inspiré tout au long de sa carrière par l'école de peinture de Barbizon, in France. Alors, attends. Je suis d'accord avec toi, petit cancanou. Ami proche veut aussi dire d'autres choses. Et on est d'accord. De quoi ? Non. La plupart des peintures réalisées tout au long de la carrière de Bock, à l'instar de celles de son professeur, sont classées dans le style Barbizon. Très bien. Elle va commencer sa carrière en peignant presque exclusivement des paysages, et elle a connu un succès modéré. Elle va ensuite étendre sa carrière à la peinture de portraits, et à la fin des années 1890, elle va produire des peintures de deux types, à part égale. Des deux types, oui, donc des portraits et des paysages. Au cours de sa carrière, donc elle va remporter plusieurs prix lors d'expositions en Allemagne et à l'étranger, et elle a été représentée à plusieurs reprises par des galeries à Stockholm et à Trieste. Trieste, c'est pas en Allemagne? C'est en Italie. Mer Adriatique, ville italienne, oui. Oui, c'est collé. C'est pas du tout collé. C'est l'Italie, comme t'as dit, tout simplement. Alors, en 1880, elle s'installe à Paris et partage un studio avec son amie Bertha Wegman. Elle va peindre un portrait de Wegman intitulé L'artiste danoise, Bertha Wegman peignant un portrait. Voilà, très bien. Donc pendant leur séjour à Paris, Bock et Wegman montrent toutes deux des œuvres dans les salons parisiens de 1881 et 1882. Elle va exposer des œuvres à l'exposition universelle de Chicago en 1893, où il y a beaucoup de femmes qu'on a croisées qui ont fait l'exposition universelle de Chicago. Oui, c'est vrai. Et donc ces peintures Woodland Lake et Portrait d'un homme ont été incluses dans l'ouvrage de 1905 intitulé Woman Painters of the World. Il y a un livre qui s'appelle Woman Painters of the World. C'est important. Je sais pas ouvrir dans un coin. Si, t'inquiète. Mais on avait déjà ouvert ça, je crois. Ça me dit rien. Hein. Moi non, il est pas dans pourquoi il est pas dedans? Moi je pensais l'avoir vu déjà, c'est bizarre. Alors, en 1897, Bock vit à Berlin et donne des cours de peinture de nuit à l'association de Berlin Arts. C'est ici qu'elle a rencontré et s'est ensuite liée d'amitié avec une élève, Paula Modersohn Baker,
alors âgé de 21 ans, qui décrira plus tard Bok comme son professeur préféré. Baker devient une peintre expressionniste précoce très influente. En 1926, Jonah Bok meurt à Munich, en Allemagne, à l'âge de 85 ans. De quoi ? J'ai du mal à croire à son hétérosexualité présumée. Bah, je sais pas, il a pas écrit qu'elle s'est mariée. Hein. Ouais, il parle pas de sa sexualité non plus, ouais, c'est vrai. Non, ils disent rien. Bah, du coup, elle a vécu avec Bertha Wegman, tranquille, quoi. Elles avaient une petite complicité, elles habitaient ensemble. Ouais. Après, elles sont pas déclarées. Hein, tout simplement. Je comprends pas pourquoi tu dis ça, petit coquin. Non, mais disons que je pense qu'à l'époque, en vrai, enfin dans les bios qu'on a croisés... Je pense que ouais, c'est ça. Il y a que ça, en général. Non, mais en fait, c'est soit... C'était archi assumé, c'est-à-dire que les filles, elles étaient... militantes féministes, peintres, machin, et elles assumaient total d'être avec leurs copines, en fait, avec leurs femmes, où elles se mariaient et tout ça, enfin, elles faisaient des concubinages, il n'y avait pas de souci. Mais je suis pas sûre qu'entre les deux, il y avait quelque chose, quoi. Je pense que c'était soit t'étais mariée avec un homme, soit t'étais complètement affirmée dans ta relation avec une femme. J'ai l'impression, hein, parce que... Ouais, en fait, c'est clair que dans les biographies, on peut le dire, hein, la plupart des biographies qui ont été écrites ont évidemment évité ça. Ce qui est bizarre aussi maintenant et depuis longtemps, en fait, pourquoi l'avoir autant évité. Et en écrivant à mes proches pour pouvoir faire comprendre, clin d'œil, tu vois, genre, oui. petite religion, mais tu comprends, tu vois, c'est un peu ça. C'est comme quand ils disaient, elles s'envoyaient des lettres endiablées, ou des trucs comme ça, elles avaient une correspondance enflammée. C'est un peu nul, et en plus, ça se retrouve souvent dans l'histoire de l'art, d'avoir ce genre de termes pour pouvoir dissimuler, et des fois, c'est pas si nécessaire que ça, hein, je pense. Alors du coup, Jana Bok, elle fait donc il y a les deux œuvres dans les salons parisiens en 1881 et 1882 et j'arrive pas à me souvenir. Ah si, elle est représentée à plusieurs reprises dans des galeries à Stockholm machin, donc ça doit y avoir quelque chose avant 1881. Oui. Après le truc c'est que c'est ça en fait. Comment qu'on va trouver again? Bah, la page en anglais, hein. Ah là 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 là. Je crois qu'on est obligé. En fait, en gros, je me dis, je lis la page en français parce que ça va quand même plus vite. Mais après, il faut toujours aller sur l'anglais pour voir. Un peu plus de détails, ouais. Alors, early carrière, Barbizon, gna gna gna. Donc là, il y a. Ah, il y a écrit, attends. La fin des années 90. Non, ça, c'est quand elle dit qu'elle produit à la fois des portraits et des paysages. Ok, donc bah en fait la première date qui est vraiment écrite c'est 1881. Peut checker vite fait Auer. Hein. Je pense que peut-être que Auer a peut-être plus de détails. Petit coq à nous, toi aussi t'es en fire aujourd'hui. On est tous en fire aujourd'hui. On est tous fire parce que ça y est, c'est jeudi soir. Demain, il reste plus qu'un jour. Ah bah oui, elle est avec Paula Manderson-Baker, évidemment. Oui, bien sûr. On peut checker dictionnaire universel. Ouais, mais je crois qu'en général, quand c'est pas sur OER, parce que tout à l'heure, j'ai oublié. On fait la distribution OER, quand même, histoire d'eux. Voilà. Et dictionnaire. Mais ouais, tout à l'heure, il n'y avait pas non plus, donc je pense que... Et ça, c'est... Je suis en train de repenser, mais... Pour les histoires d'écrits, faut regarder qui écrivait, quoi. C'est ça aussi, en général, le problème. Il y a un nouveau, je tiens à signaler, un nouveau robot qui s'appelle Twitch Details, qui était aussi C'est le moment, attendez. C'est le moment. Il y en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'amis robots ce soir, mais il était déjà là sur le stream de Petit Cancanou de mardi. Ah, c'est un suiveur accompli, bienvenue. Twitch Details, il est fidèle. Fait un big up à nos robots. Big up à Nightbot, Streamlabs et Twitch Details. Et bien entendu à notre modo préféré, Petit Cancanou. Si, vraiment. Non, mais moi, je t'ai dit, Petit Cancanou, que je checkais sur les lives qui venait. Donc je sais, je connais les noms des robots maintenant. Et lui, je me suis dit, tiens, c'est un nouveau robot que j'ai jamais vu. Du coup,
Bon, bref. Ça fait un peu la meuf trop freak, tu sais, genre je check les robots, je regarde leur mais compte. Mais non, mais c'est normal, nous on fait les check-up robots et on dit bonjour aux robots. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a écrit que Twitch Details il est en live, mais du coup, il y a quoi? Bah, il est en live, écoute, il live le fait qu'il live. Il live le check-up des détails de Twitch Details. Tout simplement. C'est trop tout. Bizarre. Et en plus, je comprends pas comment il peut y avoir 3,2K de followers. Qui follow Twitch Detail? Bah toi, nous, et Petit Cancanou. Bah non, moi je l'ai pas, j'ai pas follow, moi. Bah tu vas follow, attends, au bout d'un moment, tu vois, à force qu'ils viennent, nos robots, faut les aimer en retour. Ouais, après il y a écrit Twitch Partner Tracker hein, dessus. Ah. Bonjour. Bonjour, vous êtes partenaire du coup. Affilié Twitch pour traquer les gens. Non, ça va lancer la vidéo. Bon, du coup, je voulais mettre aussi dictionnaire en lien. Voilà, donc beaucoup de digressions. Hein. Désolé, hein, mais voilà. J'ai regardé un peu du coup, il n'y a pas. Hop, dictionnaire du coup, c'est fini. On va faire check-up vite fait ici. J'en ai beaucoup. WikiWand, tu penses que ça peut aider? Art and Culture Google. Ouais, mais il y a l'air d'avoir écrit la même chose en fait. Ouais, portrait, National Sum. Ouais, après, moi je lis pas le finlandais. Hein. Tu lis le finlandais toi? Bah non, mais c'est écrit en anglais là. Non, mais si on tombe sur la patrie finlandaise. Absolument pas, absolument pas. Je connais pas le finlandais. Ok, bon, bah on va mettre. 1880, moi je dis c'est bien. 1880, ok. Et après, on regardera son travail. Juste 3 secondes parce que je crois que j'ai oublié mettre à jour. Il a Twitter. Fait bon. Oui, non, mais c'est bon, je l'ai mis. Je l'ai mis. Jana Bok, 1881, c'est ça? Oui. Parce que je le fais un peu de tête là avec toutes les bêtises qu'on a sorties en 3 là, secondes. Là. Allez. Hop. Je suis désolé, je crois que j'ai pas suffisamment le cerveau pour enchaîner vite les choses. Finalement, on n'a pas passé beaucoup de temps avec des artistes françaises en fait. On a découvert plus d'artistes. Mais parce qu'on a très vite dérivé, rappelle-toi, c'est surtout ça. Hein. Mm. On a beaucoup dérivé très rapidement sur. Sur de l'Amérique sur du la Sud, Pologne, la Pologne, l'Ukraine. L'Ukraine, ouais. Ouais, et après on est allé du côté austral. Là, ce qui est trop bizarre, c'est qu'on a fait Australie-Finlande. Pour l'instant, on n'est jamais tombé sur le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Non, ouais. L'Angleterre, très peu. Irlande plus, on a Irlande dit. Plus, mmh. Irlande, Irlande d'ailleurs, spécifiquement, pas Irlande du Nord. Et. Allemagne, pas beaucoup non plus encore. Ouais. Et étrangement, Luxembourg non plus. Les artistes luxembourgeoises, bizarrement. Jeanne Abok, 1881. Parce que là, j'allais faire. Bah oui, en UK, il y a des gens. Bah, en fait, le truc, c'est que là, on s'est un peu donné comme consigne d'aller jusqu'à épuisement des onglets qu'on ouvrait. Et en fait, à chaque fois, on se retrouve avec 5. Et c'est ce qu'on arrive à faire dans chaque live, du coup. On a en fait les ça devient un biais en fait en soi je trouve les onglets là. En fait les références que tu nous as envoyées petit cancanou on les a gardées avec les références qu'on a déjà mis de côté en fait au fur et à mesure quand on tombe sur des infos sans vraiment chercher quoi on voit un truc ah tiens une artiste femme qui est dans la période qu'on cherche hop on se la met de côté. Mais du coup, on s'est posé la question de voilà, à quel moment on ouvre ces onglets de secours. Et en vrai, non, pas tant que ça. Parce que l'épisode 10, c'était celui où il y avait beaucoup de trucs que tu nous avais proposés aussi. Ah oui. Et l'épisode 10, c'est celui où il n'y avait pas de son. Oh. Voilà, donc l'épisode 11, c'est là où on rattrape. Mais du coup, je pense que c'est ce que je proposais à 13 bis, en fait. C'est que peut-être à un moment... Faire des pauses. Ouais, on peut faire une pause dans nos onglets et se dire, bon, ok, on va ouvrir des choses qui sont un peu plus à côté, dans les propositions, dans ce qu'on a mis de côté, qu'on a réussi un peu à amasser, parce que c'est au bout de 15 épisodes, on a quand même finalement des trucs, quoi. Alors après, il y a des trucs qui se complètent, et il y a aussi des choses où on n'est pas du tout allé. Peut-être que ce serait intéressant d'ouvrir des onglets de femmes artistes dans des pays qu'on n'a pas vus, ou des choses comme ça, quoi, pour essayer de se rééloigner un peu...
Mais bon, à voir, à rediscuter pour voir ce qu'on fait, quoi. Ah oui, pour les histoires de livres, parce que j'avais pas vu ton commentaire, mais oui, les histoires de livres, c'est vrai qu'on n'a pas encore regardé. Mais en tout cas, on les a. Moi, Mis de je côté. les ai mis de côté, on se les a partagés avec Nibbler. C'est comme les femmes artistes aborigènes d'Australie que j'avais récupérées tout au début. Moi, j'ai fait peur à 13 bis parce que j'ai mis de côté une artiste italienne qui est née genre en 1630. Et du coup, c'est un peu Ça genre, me fait pas du ah! tout peur, hein. Ça rajoute une centaine, Une et en centaine. vrai, ça me faisait peur à la limite au début, mais là, c'est bon. Ouais. On est posé, on est en mode croisière, là. Du coup, Jana Box, c'est bon. Ok. Du coup, l'autre, c'était Clara. Après, on a dit Clara et Nora encore. Anna Westermark, je l'ai mise. Nora Simpson, on l'a faite. Non. C'est après. C'est Jana Bock qu'on vient de faire, que tu peux enlever. Jana Bock et Clara Westhoff. Donc du coup il reste Nora Simpson Et Clara. et donc ça va être de l'anglais. Allez. Attends, attends. Non, Clara c'est du français je crois. Allez, je Oh. te Ah, laisse. j'ai vu Rodin, je crois, dedans. Attention. Oh Alors, non! Clara Westhoff, elle est née à Brême en 1878 et elle est morte à. À Fritz. Non, à Fischerhude. C'est une sculptrice allemande. Donc, dès l'âge de 17 ans, elle va se rendre à Munich pour fréquenter une école d'art privée. En 1898, elle part pour Worpswede. Ah, again, Worpswede, c'était qui allait dans le village de Worpswede qu'on a vu la semaine dernière? Mais c'est pas là où il y a l'endroit où il y a un collectif? Mais si, mais on l'a vu dans une des bios la dernière fois, mais je me souviens plus qui. Où elle va apprendre la sculpture, mais c'était une peintre qui était allée, elle est sculptrice. Donc elle va apprendre la sculpture sous l'égide de Fritz Mackensen. C'est là qu'elle fait la connaissance de Paola Mandersonbaker. Bon bah voilà, Voilà, c'était bonjour, Paola, Paola. dont elle devient l'une des meilleures amies. Clara Westhoff continue sa formation à Leipzig, puis à Paris en 1900 auprès d'Auguste Rodin. Une année plus tard, elle va épouser Rainer Rilke, Maria Rilke ah, Rilke. à Worpswede. Ah, c'est toujours les mêmes. Voilà. C'est ouf. Et ensuite, elle va s'installer en 1919 à Fischerhude avec sa fille russe, Ruth. Et elle Rut. va mourir en 1954. Bah écoute, C'était court. on ne sait rien de toi. Elle est morte à quel âge? 75 ans, 75 ans bah. et il n'y a rien de raconté, c'est ouf. Non mais là on va aller sur la page en anglais, c'est pas Attends, on a possible. vu les œuvres de Jenna Bock? Je crois pas, hein. Attendez, attendez, attendez. Non. On n'a pas regardé les œuvres de Jenna Bock. Petite Non. pause, pause, cacahuète, 3 secondes. On revient, Clara Westhoff. Mais on a besoin de. Non, on n'a pas regardé la pauvre. Et pourtant, il y avait des jolis trucs, On est passé. apparemment. Ah, il y a une petite photo de peinture dans l'atelier. Ça, j'aime bien, moi, les peintures comme ça. Chaque Ça me met épisode. toujours en joie. Chaque épisode, sa photo d'atelier, quoi. Je suis très en joie. Non, parce que ça, c'est pas une photo, c'est une peinture, tu vois. Excusez-moi de la. Ok. J'adore, c'est vraiment. J'ai l'impression d'être dans la scène, tu vois. Dans la scène. Non, mais De capturer l'ambiance Est-ce de que l'époque. tu es flex et agile au moins? Ouais. Est-ce que à gauche, il y a une lampe qui est en train de se péter la gueule ou. À gauche? Ah non, c'est un parasol, Oui, c'est un un. parasol. Ok. Un parapente. Et après, Et c'est mort. après, tu répètes. Énormément de J'adore! plantes, ouais. Bah, c'est pour ça que j'aime, hein. J'aime parce que ça ressemble à ma vie un peu, je pense. De quoi les plantes? Bah, Ta vie, c'est la plante? les plantes, les sculptures partout, les petits objets partout, tu vois. Ça, et les bois, le bois et les tapis, tout ça. Enfin, ça, c'est un peu mon Les ambiance, quoi, tapis, tu vois. je sais pas les tapis. Non, moi non plus les tapis, mais. Tu sais, c'est un peu mon truc Alors là, pour. on ouvre du Wikipédia au fur et à mesure. C'est marrant parce que quand t'es sur Wikipédia, c'est une galère, j'ai l'impression. Oui, une ombrelle, exactement, c'était ça que je cherchais. Excusez-nous, petit coq à nous. On connaît pas les termes. Hein, nous. La page suivante, tu utilises ce fichier. Alors du coup, moi, je comprends pas. Tu utilises le fichier, mais on peut pas avoir. Ouais, mais si, en fait. On a vraiment fait n'importe quoi tout à l'heure. Non, ça c'est vraiment mon. Voilà. Ouais, c'est ton style. C'est mon style. Non, mais y a un barbu hein, dans ton style. Alors là, c'est aussi mon style. Enfin, c'était une grosse qualité. Hein. Ouh là là! Alors, Quelle était la taille de cette qui vie? est le plus réaliste entre cette femme et le chien? Que penser de la tête du chien? Qui est entre un rat et un chien. Du français exact.
Moi, j'aime bien les émotions qu'il y a dans les visages des... Des hirches. Ouais, bah le chien, il fait un peu peur. Mais de Mais cette mignon. femme, là, elle a l'air... Enfin, je sais pas. Ça me plaît bien. C'est une photo, ça. Ah, German and Spanish Schools Contemporary. Très bien. Mais c'est une photo. Oui, tout à fait. Oui, ah, mais il y a une expression capturée. Bah, lui, c'est le mec qu'elle peignait, non? Ouais, c'était le barbu tout à l'heure. Oui, ils sont tous barbus pareil en même temps. Bon, ça, c'est un enfant avec un petit chat. Ah oui, j'avais pas vu le petit chat. Je crois que j'ai eu un traumatisme avec les enfants la semaine dernière, je crois. Non, toutes les semaines, on a un traumatisme avec les femmes qui peignent des enfants. Non, c'est rare. La semaine dernière, il y avait beaucoup. C'était pas le truc. Mais non, c'était il y a 2 semaines où on a fait le truc avec l'espèce de garderie, là, avec les enfants. Non, c'était la semaine dernière, je crois. Ah ouais. Je sais pas, mais ça faisait peur. Oui, c'était triste. Et oui, oui, et oui, Katou. Il y a l'air d'avoir des animaux partout. Bon, alors, après. Il y a une corde. Il y a une... Ah non, c'est une corde, c'est une corde. Un collier à perles, Mon excusez-moi. Dieu. Les colliers à perles, c'est pas quand on devient soi-disant jeune fille. Ouais, si, mais elle le porte pas en même temps, là. Oui, mais normalement, tu l'offres quand t'es jeune fille. Bah, c'est peut-être celui de sa mère, ou je sais pas. Donc, ça, c'est elle, je suppose. Ah non, c'est Bertha. Bertha Wegman. J'aime bien, ça fait très pose actuelle, je trouve. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, genre pose que tu peux trouver sur Instagram. C'est peut-être une influenceuse. Ça aussi, c'est poser Instagram. Et ça, c'est elle. Ça, c'est Jana Bock qui est peinte par Bertha Wegman. Rappelez-moi dans longtemps, parce que là, il reste encore 10 semaines. Pour que je fasse cette miniature, mais dans 10 semaines, il faut que je fasse cette miniature avec cette photo-là. Elle est géniale. Moi, je veux bien refaire la pose. Mais c'est pas toi qu'on met dans la miniature. Bah, pour moi-même. Ah oui. Mais t'as pas de lunettes. Bah, je peux trouver des petits monocles comme ça, des petites lunettes minus. Et en plus, t'as 3 yeux, Nibbler. Bah, c'est pas grave. bon, je le cacherai sous mon chapeau. Mais oui, c'est la même pose, c'est le même mec, on dirait. C'est ouf. Ah, on est revenu en arrière. Ok, excusez-moi. Bon, bah, très on bien. Peut-être regarder un peu ce qu'il y a d'autre, hein, quand même. Parce que ça a l'air d'être Cali, Cali, Cali. Non, il y a l'air d'avoir que... Ah, sinon, je risque de prendre celle-ci. Ah, faut que j'évite, faut que je prenne celle-ci. Faut vraiment que je prenne celle-ci. Bon, allez, hop. On passe à autre chose. On a dit qu'on était sur Clara Westhoff. Oui. Qui avait très peu de choses et qu'on n'avait pas de monstration, d'ailleurs. Bah oui, puisqu'on a dit qu'il fallait ouvrir la page en anglais. Moi, j'ai dit qu'il fallait ouvrir la page en anglais. T'es sûr qu'on avait dit ça? On n'avait pas dit, bon, on essaie de regarder Wikipédia et que c'est pour... Ok. Non. Alors... Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus? German Sculptor. Ah, ils disent plus Rodin, ils disent Augustus Rodin. attends, tu vas trop vite, j'ai pas le temps de lire. Ah bah oui, mais si vous sautez comme ça sur les souris, c'est normal que vous faites n'importe Est-ce que quoi. Tu peux remonter, s'il te plaît. Oui, parce que tu peux aussi utiliser la voix. Ok. Ici, la d'accord, voix. Ça marche. Donc, alors, 1925, elle va aller vers la peinture, en plus de la sculpture, blablabla, bla, bla, ok. D'accord, mais tu peux baisser, du coup. Donc du coup, j'ai bien fait, hein. Ah, alors attends, en 1925, ok. C'est quoi, Oblivion? Ah, l'oubli? Oui. Il y a écrit, très peu de temps après sa mort, comme beaucoup d'artistes femmes dans l'art des années 50, elle tombe into Oblivion. Donc, elle tombe dans Skyrim, quoi. Ouais. Son travail a été acquis de manière privée ou rarement accessible au public dans quelques collections. Ouais, donc c'est des collectionneurs privés, quoi. Marina Sauer, initienne. À partir de 1986 que donc Marina Sauer va initier une réhabilitation de l'artiste. By freeing Clara Rilke Westerhoff from the shadowed existence. Ok. Oui, comme en fait, c'est parce que c'était la femme de Rilke, quand même. Enfin, genre. C'est fou. C'est triste, en fait. Hein.
Et après, il y a écrit quand même qu'au jour, elle peut être aujourd'hui vue comme une pionnière parmi les femmes sculptrices en Allemagne. Bah merci, hein. Les mecs qui oublient, et après, donc il n'y a rien en fait. Rappelle, ouais, il y a que de. Comment tu peux être aussi pionnière et pas avoir de date de monstration? Mais justement, parce qu'elle a été très vite oubliée, donc je pense que... Non, en 1950, elle précise. Non, que parmi les artistes qui étaient actifs dans ces années-là, bon après elle est morte en oui, 54. Mais voilà, mais... elle est morte 4 ans après, wesh, elle est... elle a eu 4 ans pour pouvoir s'en sortir. Bon, alors du coup, on n'a pas bah, trop de non, date, hein. Bah, on va checker Aware, again, et le dictionnaire, ensuite. Je crois que j'ai mal à la nuque. Bon, non, bah Anderson Baker, oui, c'est toujours. La plus connue. Il y en a toujours une qui lit les autres, mais après. Le dictionnaire des créatrices. Après, peut-être il faut essayer. Non, il faut essayer Rilke, peut-être. Oh non, on va pas chercher du côté non, du mais garçon. Elle a son nom de mariage. Tu veux que je rajoute Rilke en plus? Non, mais il y a écrit dans sa fiche, il y a écrit un moment. Tout à la fin, il y a écrit. Clara Rilke, je sais pas quoi. Ouais, dans le salon anglais. Je pense que c'est Rilke ou Westhoff. Tout en bas. Ah ouais, voilà. Voilà, c'est Rilke. Mais bon, ce serait bizarre si tu trouves pas Westhoff, que tu trouves pas... Oui, bon, attends. J'y crois pas, mais on cherche. Voilà. Parce que c'est... En fait, le truc, c'est que quand tu fais une recherche comme ça, c'est des mots-clés, en fait. C'est pas des... C'est pas les prénoms, les noms de famille ensemble. Bah oui, oui. Non. Donc voilà. Non, non, non. Bon, on va quand même regarder son œuvre, mais on n'a pas de démonstration du coup, on est en manque de ressources. Hein. Eh oui, on est en manque de ressources, exactement. Bon, regardons ses œuvres quand même. Bon, ça, c'était le portrait de tout à l'heure. Sachant qu'elle était sculptrice, donc du coup. C'est vrai, c'est un peu triste. Surtout que ça doit être en plus des œuvres qui doivent rester quelque part. Hein, qui... Enfin, je sais pas. Bah, ou qui sont dans des salons privés, qui sont vendus aux enchères. Voilà. Et c'est pas dans des collections publiques en fait, donc c'est. Attention à vous faire un combat d'œil. Donc, bien entendu, la mais pierre ça, tombale c'est toujours. Non, mais ça, c'est Paula Manderson Baker. Ça. On a dérivé. Y a rien d'elle en fait, je pense. Y a rien d'elle. Ah oui, c'est encore Paula. Voilà. Non, il y a Clara Rilke. Elle est là, Clara Rilke. Ouais, c'est le détail. Et c'est qui la personne Agnès Wulff. Je sais pas qui c'est. Et le mec qui est constamment autour de ses femmes s'appelle Otto Mordenson, qui est donc le mec de Paula Mordenson. Baker. Et on peut dire que c'est l'homme, comme y a beaucoup d'articles sur la femme. La femme 2, c'est l'homme 2. Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup. Ouais, il n'y a que du... En fait, il n'y a que Paula Mordenson. Ouais, il n'y a que du Paula, en fait. Ça, c'était... Donc, elle et Rainer Maria Rilke. Et Rilke. Ah oui, d'accord. Et c'est peut-être là Rilke. Ok. Des gaines de. Ah, il avait des guêtres. Des petites guêtres. Ok, bon, bah écoute, on sait pas du coup. Ça, c'est quelqu'un qui a peint elle. Elle est archi bien cette image. On sait pas qui c'est qui l'a faite. Ah, si, Oscar Schwinzer, sûrement. Ouais. Elle est archi grande. Ça serait bien dans un jeu d'horreur. Après, ce qui est fou, moi, je trouve, c'est le nombre de femmes qui sont présentes dans plein d'œuvres dont le nom revient partout, mais que t'as aucune trace de ce qu'elles ont fait, en fait. Je suis désolée, t'es la femme de Rilke, qui est quand même, genre, archi connue. On doit parler d'elle dans toutes les biographies de Rilke. Alors et dans non, tous les trucs, non? C'est Rilke qui est l'homme de... Bon, c'était la discussion que je disais ah oui. Tout à l'heure. Ce n'est pas la femme de Rilke, c'est Rilke qui est son homme. Oui. Voilà. Bon, bah, manque de ressources du coup. Manque de ressources, mais dommage. Hein, en plus, on voit pas beaucoup son travail. Donc je prends, du coup, vu que tu as soumis le truc, je prends aussi son nom de mariage en plus. Et je le mets en manque de ressources. Dang. La semaine dernière, on a eu le même problème, mais par contre avec une artiste dont il y avait beaucoup d'œuvres,
Bah, c'était Nancy, je crois, Nancy-Borlase, où on a regardé genre son travail pendant 10 minutes, et en fait, on avait très peu d'infos sur ses expos. Donc, Enfin non, elle avait, en fait, elle avait une énorme production, et son premier solo show, c'était en 1960, alors qu'elle avait produit masse de trucs dans les années 40. Du coup, on a décidé de continuer à chercher. Et on a cherché longtemps. Du coup, c'est bah, c'est la date en fait. Donc, pas de monstration. J'ai pas besoin de, Tu mets juste monstration ? Non, j'ai pas besoin de préciser parce que toutes les autres, c'est ça aussi. Bah, on a mis hein, monstration. Ah oui, je l'avais pas vu qu'on avait mis. Si, si, on a mis. En fait, le truc, c'est que faut aussi. Celle que où on a rien mis, celle où il y a rien en fait. Faut aussi que je me rappelle quand je vais faire les vidéos YouTube de qui on a loupé, etc. Par exemple, là, est-ce que je la mets dans le fil Twitter ? Non, parce qu'on l'a pas. La dernière fois, tu l'as mis parce que justement, on avait passé beaucoup de temps à regarder son travail et qu'il y avait beaucoup de ressources visuelles, mais qu'il y avait pas juste. Il manquait juste la date, quoi. Et donc, tu t'es dit que ça prenait beaucoup de place dans la vidéo, donc que t'allais quand même le mettre. Mais en fait, le truc, c'est que, ouais, c'est ça, en fait. Par exemple, moi, je serais enclin à peut-être faire des appels du côté de YouTube. Je sais pas. YouTube, m'entendez-vous? De toute façon, si vous regardez, vous avez la liste. Donc, Après, en vrai, on pourrait aussi s'amuser à utiliser le Twitter avec des hashtags pour essayer de faire un appel à source. Hein. Genre, est-ce que vous avez des ressources sur une telle, tu vois? Ah, tu veux dire, on fait des appels genre au gouvernement finlandais directement? Non, mais plus genre. On dit, hey, check, mais avec. Non, mais souvent, si salut, tu. Salut, comment tu vas? Après, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de followers sur le Twitter, mais de dire, si tu mets hashtag woman artist, hashtag Finlande, hashtag je sais pas quoi, et que tu dis, on cherche des infos sur tel artiste. D'ailleurs, tu peux avoir des gens qui répondent. D'ailleurs, en parlant de follow sur Twitter, j'ai envie de dire big up à Audemer qui a follow. Sur Twitter ? Sur Twitter. Oh, on a deux followers du coup ? C'est magnifique. Voilà, parce que t'as dit pas beaucoup, mais dis le nombre. Two. Two, because on rappelle que ni puisque 13 bis chaîne, 13 bis personne. Ne peut pas s'abonner à 13 bis chaîne, Petit Concanou ne peut pas s'abonner à 13 bis chaîne et Nibbler ne peut pas s'abonner à 13 bis chaîne puisqu'on a décidé que c'était trop. Voilà. Enfin, qu'on n'avait pas envie juste de faire un follow personnel entre personnel et puis on serait trois à liker une chaîne. Quoi. Du coup, voilà. Oui, oui, laissons la chaîne vivre tranquillement. En plus, ça empêche tous les problèmes d'algorithme pourris que YouTube. Ah, pardon, excusez-moi. Que Twitter. Ah, pardon, excusez-moi. Ou Twitch. Ah, pardon, excusez-moi. Ont sur ce genre de rapport-là, c'est-à-dire distribution de données, tout ça, tout ça. Voilà. Du coup, je pense que on peut continuer. Peut-être que est-ce qu'on est motivé pour de l'anglais aujourd'hui? Parce que Oui, allez, je finis. Le cerveau est pas. Allez, c'est moi qui fais la traduction. Toi, tu as juste besoin de m'écouter. Bah oui, mais je pourrais faire la traduction, mais tu veux pas à chaque non, fois. Non, je veux pas parce que ça me perturbe. Après, j'y arrive plus. Donc, on fait Nora Simpson, et puis il sera minuit 30, donc. je rigole. Alors, Nora Simpson, elle est née en 1895, elle est morte en 1974. C'est une peintre moderniste australienne. Attends, je vérifie juste un truc. Oui, c'est bien ce que je pensais. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ah oui. Elle a grandi à Sydney et elle est décrite comme giving impetus to modernism. Elle a donné de l'impétuosité au modernisme en Australie. Et elle est retournée en France en 1913 où elle est revenue avec une série de reproductions de quoi ? Of then current works ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Then current ? Tu fais la traduction qui sont encore actuelles de. Ah, avec une influence. D'accord, bon bref. Auprès de Van Current, on va aller checker. Ça, c'est une expression pour dire que c'est toujours actuel, je pense, mais voilà. On va voir. Traduction française. Linguit est toujours là pour nous plaire. Plaisir. En cours. En cours. Ah, donc elle revient. Ok, ok. Donc elle va revenir avec une série de reproductions de travaux en cours
qui ont pu influencer ces étudiants, enfin ces étudiants. Alors, donc inspiré et la décrire. Je Ouais, ne comprends pas faut cette traduire, phrase. faut traduire. Je ne comprends pas cette Elle phrase. est inspirée par les travaux des Simpson, enfin les travaux de. Elle est inspirée par les travaux donc du coup des gens qui habitent à Sydney, des modernistes spécifiquement, et les descriptions de Simpson, donc les descriptions techniques de Simpson incluent du coup du Grace Constantin Smith et du Ray Roym de Maistre et Roland Backlin. D'accord, bon, je peux continuer, mais c'est juste que je comprenais rien à cette phrase. Alors, grosso modo, c'était ça. Donc, elle est née, ça on l'a dit tout à l'heure, elle est née en 1895 à Sydney. Elle va, à partir de 1911, être étudiante de Antonio d'Attilo Rubo, un artiste italien qui va enseigner, qui enseigne en Australie à partir de 1897. Donc, ses étudiants, parmi ses étudiants, il y avait Temple Manning et Grace Cossington Smith. Plus tard en 1911, Simpson voyager à Londres et elle va vivre à Chelsea. L'année suivante, donc en 1912, elle va rejoindre la Westminster School of Art et où étudiait Walter Sicker. Et ensuite, elle va travailler en. Elle va. Travailler, d'accord. Elle va voyager. Mon cerveau simplifie beaucoup trop les choses. Elle va voyager en France pour voir le travail de Cézanne, Van Gogh, Matisse et Picasso. En 1913, elle ramène donc en Australie une valise pleine de livres d'art, De pleine de livres d'art et de reproductions de leurs travaux, donc leurs travaux à Cézanne, Van Gogh, Matisse, Picasso. Et donc elle va donc apporter de l'impétuosité au modernisme en Australie. Son Ouais. travail va contribuer à À débattre des pra et de oui, au alimenter le débat et débat la et au pratique de nouvelles techniques et de nouveaux sujets de par Simpson. Simpson, Smith et Manning. Les autres artistes de Sydney qui sont influencés par Simpson, donc il y a Roy de Mais Maistre et ils ont ça Roland c'est une Backlin. répétition ça par contre. Ouais. À partir de 1915, Simpson retourne à Londres. Elle emménage à Glasgow en 1919. Et elle va en France en 1920. En 1920, donc elle se marie, elle a un fils, Donald. Et en 1921, elle arrête de peindre. Et ensuite, elle va donc se remarier, a priori, et mourir en 1974. C'est tout? Et voilà, et pourtant c'est une personne qui nous fait un lien direct avec Constance Temple Manning, qui est aussi une artiste, qui n'a pas de wiki. Donc du coup là on se retrouve avec un trio, dont une est la Archi plus connu. est archi connue au final. Une où il n'y a aucune monstration, et l'autre où il n'y a Il n'y même a pas même de pas de page. Wikipédia. Ouais. Donc là on va se retrouver face à un problème, Et je clairement. comprends pas si elle a amené le impétueux truc en Australie. Genre, elle est pas connue, la meuf. Bah, apparemment, elle a grave participé au débat et aux pratiques techniques des Ouais, c'est nouveaux ça. sujets, mais non, elle n'est pas connue. Bon, du coup, Dictionnaire of Biography, Australian Dictionnaire of Biography, mais on ne peut pas avoir l'accès à cet écrit, j'imagine. French Floral, non. Gouvernement, ah bah voilà, Australian Painters, c'est encore le gouvernement austral, donc on va y aller. Le gouvernement austral. Mais Trouve. c'est pas ça, ça c'est Web Archive. Bah oui, mais c'est Ah oui, non, mais ça webarchive.nla.gouv.au. c'est bien, ça de mettre les liens des Web Archives, c'est cool ça. J'avoue. Pas Ah ouais, bête, alors je pas pense qu'il faut bête. peut-être faire un petit contrôle F. Parce que là, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Et donc c'est Nora. Nora. Avec un H à la fin. Simpson. Voilà. Il n'y a pas de H. Pourquoi tu dis qu'il y a un H? Ah non. Is widely seen as giving to modernisme. Ouais, ils disent la même chose. Excusez-moi, vous pouvez vous barrer, vive la page là? S'il vous plaît. Non? Non? Ah, excusez-moi, au revoir. Je vais devoir zoomer, excusez-moi, Alors, donc, je fail à mes c'était occupations. plus bas, je crois. Oui, 2 minutes. Ouais, ils redisent la même chose. Elle va retourner à Sydney en Europe en 1913 avec des reproductions des œuvres des. Ah oui, en fait, c'est elle qui amène le.
toute l'illustration des peintres français là-bas, quoi. C'est même la première qu'on voit dans le début du modernisme. Donc c'est carrément quelqu'un de très important. Je comprends pas que ouais, elle amène tout le cubisme et l'expressionnisme en Australie, en fait. Du coup, bah, en fait, elle a juste amené des bouquins, hein, puis voilà. Les gens, ils ont dit, bon, t'as amené les bouquins, maintenant arrête de peindre et nous, on te fique tout. Ah, Lindy Lee. Non, mais ça, c'est 1980. Oh. On est déjà hors d'accord, zone. D'accord. Excuse me. Bon, alors du coup, Trove, c'est bien, hein, quand même. J'ai rien dit. Hein. Excusez-moi, faut que je fasse ça sur Wikipédia. Du coup, peut-être cherche sur genre. Attends, je regarde vite fait. Lindy Lee, 1954. Peut-être qu'elle a commencé avant, hein, remarquable. Bah non, elle a étudié en 73. Ouais. Ouais, non. On va quand même garder le nom, mais voilà. On va mettre le nom quand même de côté, quoi. Parce que c'est intéressant si on doit faire une pause 60 de nos jours. Parce que si on avait dit qu'on allait faire un truc aussi sur les femmes artistes contemporaines. Ah bon? Je sais plus dans quel moment. Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut peut-être chercher Nora sur le internet global? Oui, excusez-moi. Je crois que j'ai exploser sa page, donc on va revenir ici. Mais du coup, elle est ouverte. Ah oui, pardon. Bah non, elle est plus ouverte du tout. Non, elle est plus ouverte. Y a plus rien de Nora. Oh, mais je suis en Constance. Ah, mince. Nora. Ouais, Nora Simpson. Oui, mais c'est le Wookie. Bah oui. Bah là, il y a un H, tu vois, sur le truc. Bah, je sais pas. J'ai pas rêvé, alors, tout à l'heure. Ah, déjà, si on commence à mal écrire... Bon, attendez, parce que... Artiste. Ouais. Ok, une value de food truc, ouais, ça, on s'en fiche. Mutual Art, on s'en fiche. Art Gallery, on s'en fiche. Artnet, on n'aura pas de... Enfin, on aura des œuvres, quoi, mais on n'aura pas de... Ah, NS Gouverne, machin. Secret, The Edwardians, Secret and Desire. Attends, on regarde vite fait Artnet. Non, il n'y a rien. Bon, il y a les œuvres. On va aller regarder vite fait les œuvres. Mais ça a l'air hyper récent, ça, c'est bizarre. 2013, Nora Simpson. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Elle a vécu 120 ans, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est elle, par contre. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Attendez, je zoome. Les pages du gouvernement austral, compliqué. Hein. Du coup, oui, donc elle ramène des gens, hein, bien entendu. Traveling to. Ouais. Retourne to Sydney et joue un important rôle. Ouais. Non, mais je pense qu'en fait, elle a juste fait ça. Mais peut-être qu'elle a un plus, une importance en tant que prof, du coup. Tu vois, en tant qu'institutrice et sa pratique de la peinture, du coup, elle était pas centrale, peut-être. Hein. Mais ça change rien sur le fait que... Non, mais du coup, elle a beaucoup... Si elle a un rôle important, il y a peut-être des gens qui lui ont donné quand même la possibilité d'être exposée. Bah, peut-être pas. Peut-être elle a peint, elle a beaucoup voyagé parce qu'elle était intéressée par la peinture, mais qu'elle a plus produit et qu'elle a juste transmis les choses. Ça me paraît bizarre, mais bon. Ah là là, deux échecs. Deux échecs et deux manques de ressources. Bale. Alors, venons ici. Là, c'est plus que monstration, hein, du coup. C'est vite. Carrière, quoi. C'est toute sa carrière. Carrière. Enfin, ouais, on connaît ses voyages, en fait, mais... C'est bizarre parce que normalement les femmes artistes qui voyagent autant, elles ont justement une pratique. Ouais, qui reste. Ouais. Mm. En fait là, le rôle m'interpelle en fait. C'est quand même un très gros rôle. Elle est toujours mise en avant, mais par contre, il n'y a rien. It was a fail pour Nora Simpson. Ouais. Bon, on a énormément d'onglets ouverts là, du coup. Bah, on peut en faire encore une, hein, non? Ah bah ça, on en peut fermer. Je sais pas, il est 22h59. Attends, je vais regarder. Est-ce qu'on est à 2h de live? Bah, il nous reste 12 minutes, ouais. 12 on minutes. On peut faire un petit check-up si tu veux, mais... Bah, peut-être regardons qui on a d'ouvert. Donc, Esther Elenius, qui est
Helsinki, donc une peintre finlandaise. 1875, oui, donc on est à peu près aussi dans des périodes. Et apparemment, pas grand chose hein, dans sa page. Oui, mais c'est la page en français. Bah justement, on peut la faire maintenant, comme ça au moins, tu vois, ça. On sait à quoi s'en tenir si c'est, on la met directement en manque de ressources, parce que là, il y a que ça en fait. Ouais, il dit quoi? Elle étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Helsinki. Elle étudie avec Hilda Flodin. Elle va rester amie avec elle toute sa vie, ok. Elle vit et peint à Helsinki, visite souvent Paris. Donc elle fait plutôt des choses réalistes. Et ensuite, ça va s'orienter vers un expressionniste, expression synthétique. Ok, ben bonjour. Après, il y a une source. Finnish Woman Artist in Modern World. C'est ça? Ouais. Oulala, oulala, c'est un PDF. Il y a une page par artiste, je crois, il me semble. Ah oui, mais c'est son master. Quoi? Bah, je sais pas, il y a écrit MA Senior Researcher, c'est genre un article. Elle a dû faire une thèse dessus ou je sais pas quoi, tu vois. Alors, ouais, bah, on va le checker. Hein. Si tu fais un contrôle, ouais, peut-être tu peux trouver. Du coup, c'était. Excusez-moi, je suis perdu là. Esther Elenius. Mais peut-être tu peux chercher du coup aussi celle qu'on n'a pas. Hein. Mais c'est pas en Finlande qu'elle était. Ah non, elle était australienne, pardon. Bah, ouais. Il n'y a pas de résultat. Je comprends pas. Là. Ah, il y a peut-être une légende. Bah non. Que ça peut être pas comme ça, Esther quelque chose, non? Bah peut-être on peut pas chercher dans le PDF, du coup. Bah si, logiquement on peut. Hein. Esther Elenius, oui, bah peut-être que c'est mal traduit en français, du coup. Attendez. On va regarder du côté anglais déjà. Oh oui, du coup il y a plus de choses. Alors, vite okay. Faire. Donc vibrant use of color in. Ouais, ok. Donc là, cette vibrance a été notée par l'historienne de l'art Tuta Palin, enfin je sais pas si c'est une fille ou un garçon d'ailleurs, qui l'a décrit comme, c'est quoi, worshipper of ecstasy. Oui, c'est une grande travailleuse de la joie. Ok. Elle était aussi entraînée à faire du printmaking, du travail de print. Alors... Elle était en résidence la fameuse La Luca Artist Home à Etuturoulu, district of Helsinki. Son art, son travail sur cette période a été montré au Helsinki Art Museum dans l'exposition La Luca Life in the Home of Artists. Aux côtés d'autres artistes, des artistes très connus finlandais du milieu du XXe siècle. Donc son travail a gagné une notoriété posthume après que justement Tuta Palin, qui était historienne de l'art, ait écrit sur son travail dans son livre Esther Elenius, Variumus Palvoia. Il y a un lien aussi hein, sur le livre apparemment. Une référence populaire pour retracer l'évolution du travail de Helenius. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a Tove Johnson qui a écrit aussi sur son interaction, enfin sur ses liens avec Helenius pendant le moment où elle habitait à Paris, dans son livre Letter from Tove. Les deux artistes sont aussi connus pour avoir vécu à la Luca Artist Home. Ok. Son travail se retrouve aussi dans les collections de la National Gallery finlandaise et au Helsinki Art Museum, ainsi qu'au Amelina Art Museum. Bah, du coup, pareil. Hein, elle, je suis pas sûre qu'elle soit très... Je sais pas. Donc du coup, il y a une dame qui a écrit...
Tuta Palin, qui est professeure historienne de l'art, musicologue et media studies, donc les études D'accord. Et donc elle a écrit numériques. un livre sur Esther. Donc du coup, il devrait y avoir quelque chose dans le livre en fait. Bon, voyons voir de ce côté-là. Oh là, que de manque de ressources. Hein. Wikidata peut-être, ça peut aider. C'est pareil, Wikidata, c'est... Ouais, c'est Wiki. Hein. De toute façon, ils auraient dû faire le lien déjà. Ouh là là. Elle a un Facebook. Non, je pense pas, c'est une photo. Il y a des œuvres, hein. Il y a des œuvres. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, là, on est déjà à la deuxième page. Hein. En général, moi j'ai tendance à aller jusqu'à la dernière page, mais bon, on va pas faire comme si j'étais chez WAM, t'as vu? Bon, donc en gros, elle a une carrière qui n'a pas été très connue pendant qu'elle était vivante. En posthume, il y a eu des recherches qui ont été faites sur elle. Il y a un livre qui a retracé sa période à Paris avec une autre artiste qui était avec elle. Et voilà. Donc on a effectivement, je pense qu'il y a des infos dans ce bouquin, mais qui ne sont pas retranscrites ni dans le wiki, ni nulle part, quoi. Mais qui a lu le bouquin du coup? Bah, celle qui l'a écrit. Mais il y avait un lien cliquable T'es sur le dur, t'es livre et dur. tu as réussi à le trouver ou pas? Non, j'ai pas cliqué. Hein. Ah. Moi, je n'ai pas cliqué. Mais on peut cliquer. Par contre, moi, je ne comprends toujours pas le finlandais. Hein. Non, non, mais. Ah, Ah, c'est ah un bah attends, livre. c'est un livre qui a déjà été scanné numériquement, donc déjà, ça veut dire qu'il est, il est pourrait être accessible. 2016. Oh. Non, c'est écrit en Bah oui, c'est finlandais. écrit en finlandais, bien sûr. Alors attendez, je vais essayer de traduire. Attends, je regarde s'il y a des dates d'abord. 1897. Ah, 1890. Malassi, Barsin, Kipsan, Omakuvan. Je crois pas que ça nous aide. Il y a pas des mots que je reconnais, c'est compliqué. 120 dollars. Pourquoi 120 dollars? Le livre coûte 120 dollars. Ah, 120 dollars. Ah, excusez-moi. Il y a encore un. Lapsus, nanana. Esther Elenius, Oil, nanana. Ah. Ah. Ouais, chaque semaine, il apprend une nouvelle langue en fait. C'est ça exactement. Il essaye de chercher par date en fait, des dates avec des noms de musées qui seront à peu près traductibles, traduisibles. Je l'ai fait pour des langues que j'avais du mal à saisir ou que je m'en rappelais de loin et du coup ça se fait en fait. Hein. En plus là maintenant je crois que c'est Google ou je sais pas quoi ou un autre qui permet que quand tu scannes tu peux avoir la trad direct. Mais c'est que c'est là je comprends pas le finlandais du tout. Mais du coup, ça veut dire, genre, par exemple, quand tu fais une thèse ou un truc, t'es obligé à des moments d'aller te coltiner un bouquin en finlandais que tu trouves à l'université de Helsinki et t'es Oui. même pas capable de le lire parce que tu parles pas finlandais, quoi. Oui, C'est bien bien, sûr. c'est intéressant. Mais en fait, normalement, tu es censé trouver. Alors, tu as le biais que tu essayes d'éviter normalement, qui est le biais recentré. Donc, là, principalement, là, nous, on est français, donc il faudrait éviter aussi de trop focaliser sur des trucs qui sont français, de voir un peu du moins plus objectif. Oui. Sauf que le truc, c'est qu'il faut du coup lire du français, mais lire autre chose. Ouais. Mi homme, mi appli, mais oui, exactement. D'ailleurs, en Y fait, a, tu connais pas l'application 13 bis? 13 bis, il fait des. En live, tu sais, en réalité, il te fait des trucs, il te dit un mot comme ça, et toi, tu dois lui dire ce que c'est après en français. Puis tous les jours, il vient te revoir et il dit, on va réviser le truc de hier. Éléphant, tomato. Et toi, tu dois. Après, il te montre des petites photos et tu dois choisir quelle photo c'est par rapport au mot qu'il dit. Et c'est la même chose. C'est en réel, quoi. C'est lui qui a inventé Duolingo en méthode réelle, quoi. Alors non, ce n'est pas une pub. Bon, du coup, carrière à la démonstration. Mais toi, ça te fait rire, hein, t'as bien Ah, mais ça me entendu. fait rire. Bah, Bien entendu. c'est Petit Cancanou, elle a mis l'homme Duolingo, déjà. Donc, c'est pas moi qui fais la pub. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'était la première. L'homme Dua Lingard. Excusez-moi, c'est Dua Lipa. Hein. Duolingo. Moi, je suis l'homme Dua Lipa.
Ok, du coup, je l'ai mis en manque de ressources. Je suis un peu tristounet de cette journée qui était compliquée en manque de ressources aujourd'hui. Ok, Du donc du coup, coup, faut lire le livre en finlandais. Voilà. alors on cherche Peut-être qu'on peut regarder du côté Oxford, là, vite fait en anglais. un traducteur de synchronisation finlandais et demander à l'accueil de la chaîne 13 bis, s'il vous plaît. Hein, on en a déjà quelqu'un qui fait en anglais, hein, donc on voudrait quelqu'un en finlandais, s'il vous plaît. Oui, bon, tu t'es décerné le truc de traduire en anglais, hein, Oui, je tiens à parce préciser. La dernière que. fois, je me suis presque fait engueuler, hein, Mais bien sûr, moi je fais de la live traduction et la semaine dernière tu me laissais même pas une seconde pour que je lise. Genre, j'y réfléchissais et t'étais en train de traduire dessus. Et en plus, t'hésitais aussi. Donc du coup, voilà. C'est moi la traduction. Abonnez-vous les Finlandais. Est-ce qu'il y a des Finlandais sur Twitch? Oui. Ouais! Est-ce C'est qu'il ça, c'est ça. y Waouh, le a des. Club Med, wesh. Est-ce qu'il y a des Finlandais dans la salle? Oh là. Ça y est, c'est l'ambiance. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin du tout. C'est le dernier, c'est le chant du cinéma. Bon, est-ce qu'on peut. Attends. Juste, qu'on soit bien d'accord, on va avoir du mal à trouver plein de ressources dues à la langue. Ça empêche personne de trouver, de nous donner des informations. Moi, je suis preneur. Bien entendu, proof admissible, c'est mieux. Mais en général, si vous nous dites, ouais, je l'ai lu il y a 3 jours et je suis très fort en finlandais, ou je m'y connais pas du tout en art, mais j'ai compris ça en lisant le livre vite fait parce que je l'ai entendu dans le live, ça me dérange pas en soi. Mais ce serait bien malgré tout que de toute façon il y ait des échanges, parce que l'idée du live c'est principalement ça, qu'il y ait des échanges, et si possible qu'on évite de toujours tomber dans les mêmes travers qui seraient limités par la langue, déjà par exemple. Si en plus on peut éviter aussi par l'écrit, ce serait cool. Parce que là par exemple on est beaucoup sur l'écriture latin, hein, mais on pourrait aussi. Par exemple, on a eu du cyrillique à un moment, du coup, voilà. Ce serait bien aussi qu'on puisse trouver des personnes qui sont capables. Mais voilà, moi ça me dérange pas que tu traduises. Voilà. J'avais une Je te rassure. suggestion. Est-ce que tu serais d'accord pour que le nom des artistes en manque de ressources puisse, enfin, en gros, que en dehors du live, on puisse faire circuler ces noms qui nous manquent en faisant des appels aussi à ce que les gens puissent venir la semaine prochaine ou un autre moment pour nous donner des. Ah mais moi ça me dérange pas du tout. Le seul truc c'est les abonnements en fait. Moi qui me dérange. Si on limite au premier cercle, comme je disais pour les abonnements Twitter ou YouTube, c'est uniquement pour les abonnements. Je m'en fiche que en spécificité que les noms tournent, parce qu'au contraire c'est ce qui est important. C'est comme faire tourner le lien du live quoi. C'est comme faire tourner le lien du YouTube. Moi, ça me dérange pas que les liens tournent. Ce qui me dérange, c'est que les personnes qui sont présentes actuellement s'abonnent. En fait, l'idée, c'est surtout d'ouvrir plus. Et là, on est déjà ensemble, donc il n'y a pas trop de problème. D'ailleurs, merci Twitch Details, t'es toujours là. Je pense que tu es toujours là. Donc du coup, voilà, merci. N'hésite pas à faire tourner le lien à tes amis, mais ne t'abonne pas tout de suite. L'idée, c'est surtout ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir l'effet écho, quoi. Donc, ce serait bien en fait qu'on puisse distribuer. Ça, on est d'accord. De toutes les manières, c'est pour ça que je posais la question sur mettre les personnes en manque de ressources sur Twitter. C'est parce que comme ça me permet aussi de faire tourner directement peut-être les liens, les trucs, les noms, etc. Je pense que je vais peut-être du coup faire une sorte de petit post-it ou effet d'annonce. J'ai pensé à faire une annonce justement potentiellement visible de temps en temps sur le live, même pendant le chip stream ou ce genre de truc-là, histoire de faire un peu pop-up slash propagande slash pub slash communication slash enfin bref tous les termes que vous connaissez pour chronologie aussi.
L'idée, c'est surtout, ouais, de on trouve les références. Moi, de n'importe quelle manière. By Ok. any means necessary. Mais après, c'est plus intéressant que les gens qui ont des infos. Je sais pas, admettons, moi je dis, est-ce que vous avez des infos sur, voilà, sur mes réseaux ou quoi, sur tel artiste? Il y a quelqu'un qui vient me dire en MP ou je sais pas quoi, oui, moi je connais, j'ai fait ma thèse dessus. Je lui dis, bah, est-ce que tu peux venir la semaine prochaine dans le live? Bah, peut-être pas dans ce sens-là, mais tu vois, genre dans le sens où si toi tu récupères déjà les infos, c'est déjà pas mal, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, il faut pour les redistribuer. Après, c'est vrai que plus, enfin, l'idée ce serait aussi qu'il y ait des gens qui passent pour nous aider dans Oui, l'immédiat. bien entendu. Après, si les gens n'ont pas la possibilité, je peux comprendre tout à fait. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi le. Bon, bref. Je psychote tout seul. Le 1800 est au-dessus de tout. Je pense que c'est le moment de partir. Je pense que je commence à sociopater sur les choses. Du coup, moi, on On va refait faire un juste. petit topo de ce qu'on a vu, peut-être. Non, peut-être pas de ce qu'on a vu, mais de ce qu'on va voir. Je sais pas. Dans quel sens tu préfères, Nibbler? Je suis perdu. Bah, on peut d'abord. Est-ce que tu as bien fait la liste des artistes sur Twitter, juste pour que je sois pas perdu et que je le refasse? Alors, j'ai fait la liste sur Twitter jusqu'à Jeanne Abok, du coup. Donc, 4 artistes. Donc, Théa Proctor, Helena Westermarck et Hilda Flaudin. L'idée, si je vous montre. Ah oui, tu voulais regarder en même temps, c'est ça, Non, pour non, c'est comprendre. bon, c'était juste pour voir. Donc, on en a fait 4. Bon, d'habitude, on arrive à tabler sur 5, sauf que là, on en a eu 3, 3 difficiles. Donc, on va dire que ça fait 5, hein. On a fait beaucoup plus, ouais, en vrai. Mais c'est bien. Du coup, on a vu à nouveau des artistes finlandaises et des artistes australiennes et une allemande, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Voilà, après. À nouveau, hein, comme là vous avez encore vu, hein, pendant l'épisode, on fait des clics, deux clics, deux clics. Du coup, forcément, on arrive au bout aussi une fois qu'on est retombé 50 fois sur les mêmes noms. On retombe sur soit des pages inexistantes, soit des pages un peu lacunaires, soit des choses comme ça. Donc c'est un peu normal. Du coup, Jeanne Abok en 1881. Helena Westermarck, on l'a fait Oui, que maintenant, si. si, si. Helena Westermarck en 1889. Ensuite, qui était après? Hilda Flaudin en 1897. Et après, on en a. Il en reste une. Ah ouais. Bah, on regarde. Il reste Théa Proctor. Qui est la première qu'on a faite, du coup, et qui est en 1904. Voilà, là on était vraiment sur une époque resserrée en fait, hein. Par rapport à d'habitude, on était vraiment 1800, 1880, 1900. 1900, ouais. Ouais. Et en fait, il faut. Enfin, voilà. En général, on a tendance à faire 4-5. Là, on en a fait 7 au final. Mais comme tu disais, avec 3 perdus, ou du moins, on n'a pas les références, surtout. Ce qui est compliqué des fois. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. On continue, on continue. Et donc pour la semaine prochaine. Alors, je finis juste de montrer Pardon. jusqu'à là où on en était. C'est un peu plus long pour 1900, bien entendu. Tina Modotti. Tamara Delempicka. Eh, j'ai trouvé une super photo pour la miniature, d'ailleurs. Peut-être qu'on va regarder vite fait YouTube. Pour que je vous montre mes œuvres. Hop. Et du coup, on allume. Et du coup, Esther Elenius, donc ça c'était notre manque de ressources de tout à l'heure. Elin Danielsson-Gambodji, qui est une peintre finlandaise. Donc l'époque, c'est 1861-1919, donc on sera à peu près sur les mêmes périodes qu'aujourd'hui. Ok, tu l'as mis en favori. Je la mets jamais. Je vais même créer un nouveau truc. Je vais faire hop. Ajouter un dossier, chronologie 15, 16 maintenant pour le prochain. 16, ouais.
Voilà, donc je rangerai mes onglets un jour. Un jour, un jour. Là, je fais la, je fais, je fais, là, je fais Ok, la. donc. Ah, il boucle au bout d'une heure le... Ensuite, Maria Vike, qui est aussi une artiste finlandaise, artiste peintre, donc sur la période, toujours pareil, hein, elle est née en 1853, elle est morte en 1928, donc on sera peut-être un chouï plus tôt, mais Mais très peu, je pense. voilà. Ensuite, Gwen Johnson, John. donc Gwen John, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, c'est C'est narc. The Rock. C'est Alors, The Rock. c'est une artiste peintre galloise née à Haverfordnel. Elle est morte à Dieppe en 1939. Alors, du coup, galloise, c'est C'est... quoi? Pays de Galles? Oui. Pays de Galles, c'est Royaume-Uni. Du coup, on va changer complètement d'endroit. Bah, ça reste le nord de l'Europe, Donc, hein. pareil, hein, 1876-1939. Donc, on ne bouge pas, hein, au niveau de la période. Bertha Wegmann, donc 1846 en Suisse et 1926, on ne sait pas où. Elle est peintre portraitiste danoise. Donc elle, on l'a trouvée tout à l'heure. Et d'ailleurs, il n'y a rien. C'était la biographie, cette section est vide. Bah, on va bien s'amuser la semaine prochaine. Venez vous amuser avec nous. Bonjour. Si vous avez des informations déjà sur Bertha, je pense que ça serait cool. Bertha Wegmann, bien entendu. Voilà, donc ça, on ferme. Au revoir. Ça, du coup, tu peux te le garder de côté. Oui, ça sera dans chronologie le groupe. Voilà, alors sachant que je pense qu'un jour, on va faire Un débrief groupe, ouais. un non-stop nuit où on va ouvrir tous les liens des pages comme ça qu'on a Mais trouvées où il y a genre. non, on a dit que si jamais on était en manque, on Oui, irait. je sais, je sais. Non, mais c'est une blague parce qu'il y a des fois, il y a des pages. Bon. Alors, du coup, donc on peut fermer ça. Ensuite, on a donc Mathilda Rothkirch, qui est aussi une peintre finlandaise. Voilà, qui fait du portrait. Donc la période. Ah non, 1813-1842. Donc là, Là, on n'est plus dans la période, hein. on va changer de période. Et peut-être que grâce à cet artiste, on va pouvoir remonter dans le temps. Oui, we'll see. On en a quelques-unes hein, qui pop comme ça des fois à des siècles. Mais c'est bien, c'est très bien. Ouais. Agnès Wolf, qui est donc l'artiste qui n'a Avec la pas de croix. page. Mais qui a une page Facebook. Qui a une page Facebook. Je la mets quand même. Oui, mais allez. Comment ça, On sait qu'on cherche des artistes, hein, de toute façon. Voilà. Et ensuite, pareil pour Constance Tempe Manning, qui n'a pas de page. Voilà. Et après, Lindy Lee Lindy qui est hors game pour l'instant, Lee. mais Tu la mets qui dans risque d'être dans le game. Je la mets dans chronologie en général, on verra quand elle reviendra. Du coup, si on se fait une petite pause cacahuète du côté en dehors de la frise, parce que ça va être ça. Voilà. Du coup, est-ce que tu veux qu'on aille faire pour clôturer un petit tour sur tes Ah oui, sur miniatures YouTube, YouTube? ouais, c'est vrai. J'ai dit ça et j'aurais pas dû. Et puis on se laissera sur ça. J'ai dit ça mais j'aurais pas dû. Du coup, est-ce que tu veux faire les appels hein, pour la semaine prochaine, à venir pour Chronologie des femmes artistes à 21h, toujours à la même heure? 21h, le jeudi soir. Exactement. Oh, les propositions YouTube, s'il vous plaît, merci. Ensuite, bien entendu, 13 bis est très difficile à trouver pour l'instant, parce que bon, c'est compliqué, hein. Il y a des accolades, enfin il n'y a pas des accolades, mais c'est des carrés autour, hein, je ne me rappelle plus du terme. Bonjour, excusez-moi, bon, je vais taper chronologie à côté, parce que je sais qu'on est les seuls à faire des chronologies. D'accord, c'est le bon terme, hein. Voilà. Waouh! Ouah, Moi j'adore, hein, quel jeu, c'est trop quel beau. jeu. Non, moi je suis très fan. Je sais Quel pas ce jeu. que t'en penses, petit cancanou, mais je pense qu'il y a il y a du skill quand même, on est d'accord. Moi je pense. Vraiment, ça me Bon. donne envie de cliquer sur la vidéo, tu Regardez, regardez. Ah. Ouais, bah après, tu regardes l'heure et après, tu dis ah, 2h16 quand même, hein, compliqué. Hein. Là, y a de Voilà, la joie. 200% de talent, on est d'accord. 100% de talent. On va regarder le reste. Du coup,
Il y a tout qui est déjà prévu, mais donc comme vous pouvez voir, il y a déjà tellement tout qui est prévu qu'il y a 15 vidéos qui en charge ici et 12 de ce côté-là. Il y en a pour l'instant. La première qui était ouverture facile, qui était sortie assez rapidement parce que c'était un dimanche que j'avais commencé à faire le YouTube, il y a 2 semaines. Donc vous pouvez commencer à me voir rager de ce côté-là. Ensuite, il y a Chronologie des femmes artistes, le 2, parce que le 1 a disparu de Twitch, on avait mal géré la récupération. Pourquoi le 4 il n'est pas paru? Ah, il est encore en traitement. Il y a le 3 qui est du coup Chronologie des femmes artistes 3 qui est arrivé la semaine dernière. Et du coup Chronologie des femmes artistes 4 qui est arrivé cette semaine normalement. Mais il était en traitement parce que j'ai dû couper au dernier moment. Parce que je sais pas pourquoi, à chaque fois il n'accepte pas les coupes que je lui fais. Voilà. Il y a 14 vues sur la Oui, c'est vidéo. moi. Parce que j'ai regardé 14 fois le truc pour voir si tout était bon. Il y a Très bien. Chipstream aussi, donc again. Avec ouverture facile, l'épisode 2 où vous pouvez me revoir péter un plomb, mais en groupe, ce qui est bien. Cette fois, je crois qu'on était en groupe déjà dès le début, hein, mais bon, bref. Voilà. Là, on est prévu sur les sorties YouTube pour l'instant, jusqu'en avril. Ah oui. Il y a 10 semaines, comme je disais, parce qu'on a un décalage de 10 épisodes maintenant pour les chronologies des femmes artistes. Il y a 6 à 7 vidéos d'ouverture facile. Donc du coup, tous les trucs que je fais le dimanche à 14h du cheap stream. Actuellement, il y a Jet Set Radio, mais qui sont déjà sur YouTube aussi. Oh là 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 là, c'est beau. Et c'est très rapide, et c'est beau, et c'est magnifique. Mais le problème, c'est que je dois attendre que ouverture facile soit finie. Sinon, trop de contenu en même temps. Enfin bref. On essaie d'avoir une sorte de bonne tenue et de ne pas surcharger les internets très rapidement. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, tu as du contenu très longtemps en avance. Disons que je compte que l'année sera écoulée du coup pour nous de 13 bis en novembre, je crois. En novembre, on aura 10 ans d'avance, je pense. Donc, du coup, bon, en fait, moi j'ai une question genre d'ordre pratique parce que j'ai demandé déjà à Nibbler, c'est à quelle vitesse il faut que ça sorte. Je vois que des gens mal ou bien intentionnés sortent des vidéos presque tous les jours pour surcharger les algorithmes. Je ne connais pas suffisamment les algorithmes et les robots YouTube pour pouvoir le faire et de me permettre d'être surchargeable, sachant qu'en plus nous n'avons pas grand monde. On a Rilwan qui s'est abonné, seulement je crois. Bonjour Voilà. Rilwan qui n'est pas là aujourd'hui, mais bonjour. En tout cas, il y a les deux playlists qui sont créés. Il y a une troisième playlist. Il y a une troisième playlist qui est censée normalement popper dans pas très longtemps. Enfin, dans pas très longtemps. Dans 6 semaines, qui sera du coup Jet Set Radio, donc le Chip Stream réel, parce que là c'est surtout ouverture facile, speedrun, hommage à Flash, qui est une playlist particulière. Et du coup, le Chip Stream revient en force par la suite, bien entendu. Dimanche, on continue et je m'excuse à tous les viewers et modos qui étaient là présents dimanche dernier et à Audemer aussi qui était là, qui m'a vu péter un plomb, rager, m'énerver contre moult difficultés qui s'est retrouvé face à moi dans Jet Set Radio. J'étais triste, rien n'allait dans mon sens, mais j'essaierai d'être plus joyeux dimanche prochain. Alors, À la fin de, j'espère, Jet Set Radio. sachant que Jet Set Radio va s'ouvrir sur le niveau où il faut taguer le dos de 30 personnes. Donc, je pense Non. que. Pas 30 fois, 30. 30 fois. 30 fois, Oui, donc bon. 10 personnes. Mais c'est comme d'habitude, ça. Le problème, c'est la difficulté du niveau. Parce que là, en fait, à chaque fois, on ouvre un endroit. L'endroit devient de plus en plus compliqué à gérer. Bon, le pipe était déjà l'enfer au début, parce que c'était le premier quand même. Le pipe, c'était le premier niveau, c'était déjà compliqué. Mais là, on se retrouve avec un niveau qui est compliqué de ouf. C'est le. Oh, je pourrais même pas l'expliquer à l'oral, tellement c'est compliqué. C'est les toits. Je crois qu'on va être sur les toits. Et si on n'est pas sur les toits, je croise les doigts pour qu'on y arrive assez facilement, parce que.
En fait, je sens la galère du niveau. Je sens la galère du niveau et la fin du jeu. Je le sens dans mes tripes, et ça s'est entendu la semaine dernière, je crois. Donc du coup, c'est pour ça que je m'en excuse maintenant. Je m'en excuserai aussi dimanche. Il faut que je prévoie un échangeur d'autoroute pour changer de jeu subrepticement si c'est trop court. Mais normalement, ça devrait être bon. Voilà. J'avais mis Onteuil la Brave pour appeler les gens à venir voir. J'ai vu qu'il y avait pas mal de robots. Et Audemer qui est venue directement, dès qu'elle a vu qu'on pouvait teuiller la Brave, elle a accouru. Ah, excusez-moi, dimanche, c'est la Saint-Valentin, du coup, c'est ça. Ah, bravo. Ah, et bien, j'avais pas prévu quoi que ce soit. Du coup, je ne prévois rien. Donc, non, mais ce sera un Jet Set Radio spécial Saint-Valentin. Ça sera un Jet Set Radio spécial amour. Je donnerai de l'amour comparé à l'arrache que j'ai donné la semaine dernière. Voilà. Que de l'amour au jeu. Bon, je pourrais féliciter le jeu de tout. Et je féliciterai toutes les personnes qui seront là. D'être beau, bien séant et voilà. Et d'être gentil. Bon, bah du coup, 13 bis à dimanche sur le chat. Oui, tu seras de ce côté-là, du coup. Cool. J'essaierai de te soutenir. Et puis, sinon, à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour le Chronologie des femmes artistes number 16. Yeah. Et du coup, bonne soirée, prenez soin de vous. Bisous. Et des bisous à Petit Cancanou. Bisous, bisous. Et n'oublions pas de taper Petit Cancan. Pour Obradin. Des bisous. Bisous.